Allez, salut les amis, bienvenue à tous. Qui nous avons, oui, c'est bien, commençons par une faute de français complètement grossière. Qui avait rejoint ce stream, n'est-ce pas? Ce stream perso, donc pour ce lancement impromptu, je puis le dire, puisque je n'ignorais encore que le match allait se jouer il y a quelques heures de cela. Le lancement donc de France-Angleterre, 8ème de finale, donc de cette Coupe des Nations 9-9, en la compagnie de Moussa. Salut Moussa, ça va? Salut Pognon, content de te retrouver, salut à ceux qui nous regardent. Également, hein, on discutait ensemble juste avant le lancement, on se disait autant ça fait chier de retrouver les viewers, autant on est bien content de se revoir de toi et moi. Ça c'est cool. C'est vrai, ça allait pas se faire, ça s'est fait finalement. On est là, on caste, on a annoncé un peu tardivement, mais on est là. Oui, voilà. Hein, toujours ce professionnalisme bien connu dans Team Fortress 2, que ce soit de la part des joueurs ou des viewers. Toujours, hein, voilà, les trucs sont prévus un mois à l'avance, c'est calibré au millimètre, voilà, tout est préparé. D'ailleurs, vous voyez hein, les drapeaux qui s'affichent en dessous de Team Fortress 2, pas du tout, hein, bien sûr, les drapeaux, je ne les ai pas pris. Donc c'est un peu freestyle, mais bon. Nous sommes là et c'est l'essentiel. Donc pour voir ce match, donc ce match sanction hein, de Français qui n'ont su décrocher que la deuxième place de leur groupe après avoir perdu contre la Pologne, qui se retrouve donc contre les Anglais. Les Anglais, Moussa, les favoris selon pas mal d'observateurs. Est-ce que c'est ton avis? C'est un avis que je partage également. Ouais, ils ont perdu aucun match, il me semble. La France n'a pas encore tellement fait ses preuves, j'ai envie de dire. Je vais pas être méchant, mais bon, on a fait une victoire contre les Biélorusses qui était assez facile. Pas rien. Ils sont teigneux, ils ont le couteau aux dents. Ils ont pas mal practice hein, les deux dernières semaines. Je les regarde jouer assez souvent pendant que je bouffe devant mon écran et je pense qu'ils ont appris un peu de leurs erreurs. Ils ont eu le temps de construire un peu tout ça. Donc pourquoi pas, hein, ça peut se faire. Moi, j'ai envie d'y croire. Attends une seconde, je réponds à Ui qui m'envoie un petit message, c'est fait. Oui, bah, moi aussi j'ai envie d'y croire. Alors ceci dit, on peut se dire effectivement qu'ils se jettent tout de suite dans le très très grand bain et que si jamais ils passent ce tour, les Français, ils ont de bonnes chances de remporter cette compétition. Ceci dit, voilà, il va falloir espérer soit que les Anglais glissent un peu hein, sur leur clavier et se ratent ce soir, soit effectivement que le niveau de jeu ait été poussé à son maximum du côté français, puisque ce qu'on a vu contre la Pologne ne sera pas suffisant, notamment sur Intermodal qui ce soir sera la Decider hein, et les deux premières cartes seront Badwater en deuxième et Viaduct en premier je crois. Donc il y aura un Intermodal en Decider. C'est ça. Ouais ouais. Bah, c'est un peu un match qui vaut, je dirais, comme une finale. Hein. Pour nous en tout cas, hein, pas forcément pour les Anglais d'ailleurs, parce qu'ils doivent considérer rencontrer des adversaires peut-être plus forts. Mais pour nous, ça peut ressembler à ça. Pour nous, ça peut ressembler à ça. Je vais lancer le jeu. Hein, il paraît que c'est bien pour commenter du Team Fortress 2 de le lancer. Ça peut aider. Donc, je le fais. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet, pouvoir commenter les nations présentes. Je vais vous donner le connect, c'est un relais, n'est-ce pas? Vous allez le voir s'afficher de façon sur l'écran, puisque normalement ouais, je suis sur l'image. Mais je vais bien sûr vous le donner dans le chat si vous voulez rejoindre TF2C Radio, comme d'habitude, c'est sur TF2 Connection, chaîne TF2C Radio. Et vous pouvez donc rejoindre la STV si vous préférez, n'entendre que nos voix et suivre le match avec vos propres vues. C'est possible. Si possible. Alors où est-ce qu'elle est ma STV là? Je l'ai perdue. Mista. Hop, ça y est, je l'ai. Je te l'ai passé hein, Moussa également. Je suis déjà connecté. Les Français sont prêts, ils sont 8 en face chez les Anglais. Ok, très bien, bah, donc c'est vraiment le moment de se lancer. Je vous file le connect également du côté du chat. Pour ceux qui en ont besoin. Pourquoi il n'y a pas de Swiftwater, nous demande Into Deep. Eh bien écoute, je suppose qu'elle a été bannie. Je sais pas si elle est dans le map pool. Est-ce qu'elle est dans le map pool, Moussa? J'en sais rien. Pose-moi pas des questions comme ça. Non, c'est une que map, tu l'as vu en training. Qui est pas du tout appréciée dans la communauté Highlander, il me semble. Pourtant, je la trouve pas mal hein, dans le genre payload. Elle est pas mal. Elle est particulièrement grande, mais elle a pas vraiment du succès dans le milieu compétitif. Ok. Attends, j'essaie de retrouver parce que par contre, il y a un truc que j'ai préparé. Ce sont les hymnes nationales. Eh oui. Et je me suis dit tiens, je vais préparer un truc, ce seront les hymnes nationales. Et du coup on va pouvoir faire les compositions. Je vais lancer l'hymne national française et tu vas pouvoir me faire la composition des Français. Est-ce que tu es prêt Moussa? Je te laisse les Français, je fais les Anglais. Très bien. Ok, donc je vais faire les Français. Les Français, si tu chantes l'hymne en même temps, je veux bien faire les Français également. Je pense que là vous êtes en mesure d'entendre l'hymne national. Alors donc pour l'équipe de France ce soir hein, dans ce match opposant la France à l'Angleterre, Nico sera aligné en scout, Nico qui nous a montré de très belles choses hein, lors des matchs précédents.
Xabi sera Medic, Isil Spy, TLR Mac sera Demoman, Flippy en Sniper, Mista en Ingénieur, Suzy en Heavy, Dégain en Soldier et Mihawk en Pyro à la place de Briquet, je suppose donc. Ça a toujours été Mihawk, mais ouais, Briquet, il est en sub en fait, Briquet. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, je ne savais pas. Oui. C'était qui la dernière fois? C'était Briquet la dernière fois. C'était Briquet, bah, ouais. Je m'en souviens plus. Bah, désolé pour Briquet. On l'a peut-être pas vu en fait, c'est pour ça. Non, il a fait un travail Briquet, tout à fait sérieux. Au spawn, il est jamais mort. Allez, on se concentre un petit peu. On lance l'hymne nationale cette fois-ci anglaise. Yes, allez, c'est parti. Et ce sera T du côté des Anglais, donc en Soldier. On aura Hildred qui est plutôt connu pour jouer démo, mais qui sera en Medic. C'est un peu le mastermind, selon l'avis de Mista. C'est lui qui contrôle, qui fait les calls, qui dit un peu tout ce qu'il faut faire, qui dirige cette équipe. Gorston en Pyro, Snow en Sniper, Frotil et en Sub. C'est un gars qui jouait Spy et qui est passé. Main sniper et qui se débrouille très bien. Starry qui évolue plutôt en 6v6 que je connais pas tellement, mais il paraît qu'il est assez ennuyeux, c'est un vrai moustique. Ok. Voilà, donc on aura des beaux duels entre Nico et Starry. Grenja Bob en spy, il est réputé pour être le meilleur spy de la saison précédente. Il fait du gros damage, il fait des bons calls. Breakfast en heavy, Bubble en AG qui est pas spécialement impressionnant. Qui a tendance à pas mal c'est s'avancer. Ta classe ingénieur, du coup tu es en mesure de ouais, jauger je me permets ingénieurs. De critiquer, mais bon, c'est un avis subjectif à prendre avec des pincettes. Non, c'est une merde. il est très agressif en fait, hein, il va vraiment bon, faut se méfier, hein, c'est quelqu'un qui peut pas parfaitement par exemple contourner un peu ce qui se passe au front et faire tomber un médic par exemple, voilà, donc faut être prudent quoi. Et en démo, qui c'est qu'on a en démo? C'est Joe. C'est pas Emilio, non. C'est pas Emilio Estevez. C'est un pas peu Emilio. Mais Joe doit être bon aussi, hein, je suppose. Il se défend très bien, ouais, il est très très bon. Je sais pas pourquoi ils ont pas pris Emilio, mais. Peut-être qu'il n'était pas disponible. Il a dit les Français trop faciles et il n'est pas venu. C'est peut-être voilà, ça. Voilà. Et on est prêt là, on est 9 contre 9, on attend. Et j'en profite pour saluer Louzou, hein, qui vient d'écrire Pognon me trompe dans le chat, hein, puisque Moussa, tu es là ce soir. Et du coup, Louzou, qui après m'avoir privé, hein, de sexualité streamesque depuis 7 mois, fait genre sa petite puce à l'effarouchée et me joue la carte de la jalousie. Ça ne marche pas, Louzou, hein. Voilà, quand on ne passe pas à la casserole, on ne s'étonne pas de se faire remplacer. C'est comme ça. En plus, il fait de meilleurs commentaires techniques que toi, voilà, c'est dit. Oh, voilà, les auditeurs ont parlé. Ah, ah là là. Bon, allez, je plaisante bien sûr, hein. Toujours number one dans mon cœur, le Louzou. Et donc, on commencera sur Badwater. Parlons un peu. Salut, de Badwater, Moussa, hein, n'est-ce pas? Une carte de type pousser donc le chariot jusqu'au bout. Ouais, on va représenter. Ah, si. Oui, je conteste pas ce que tu viens de dire. Ouais, donc faut pousser le chariot. Je peux parler peut-être des positionnements français. Donc on aura une sentry comme d'habitude. Je sais pas si t'es. Je vais me déplacer, c'est bon. Tu sais très certainement où elle sera. Elle est au niveau de l'escalier en fer. Donc on aura une sentry level 3 ici avec le pyro autour du dispenser machin. Un truc nouveau par contre, c'est qu'on aura le medic. Donc Zabi et Suzy en heavy qui ont tendance en ce moment à se cacher plutôt au niveau du bunker directement sur le point 1. Donc ça permet à Zabi de se mettre à l'abri des jumps du démo et du soldier, pourquoi pas. Mais ils sont malins les Anglais, je pense qu'ils savent que ce sera le cas. Ils sont au courant de ce qui se passe pendant les matchs d'entraînement, donc à mon avis ils seront préparés, donc faut faire gaffe. C'est une position assez sécure, mais on peut se prendre du splash damage si le soldier jump bien avec le spy qui peut donner un coup de main aussi. Voilà en gros pour le point 1. Et le point 1 qui peut se tenir en général un long temps ou qui est juste un point de temporisation? Il faut le garder le plus longtemps possible, hein. C'est un point assez stratégique, 1 minute 30 minimum, hein. En dessous de 1 minute 30 c'est pas génial. 2 minutes c'est bien, après c'est du bonus. Voilà. D'accord. Pour le deuxième point, je pense pas qu'ils iront sur le toit, à moins qu'ils aient un gros avantage au niveau joueur et Uber.
C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'ils reculent sur le toit si jamais sur le point 1, par exemple, ils n'ont pas trop contesté et qu'ils ont réussi à revenir avec plein de Ah, joueurs je pense en défense? qu'il tarde un peu. En général, sur le point 1, on est assez gourmand. On n'a pas toujours le temps de. Le 11, c'est spécifiquement les Français ou c'est la Je métagame générale en ce parle moment? des Français et puis du Highlander en général. C'est assez difficile de jauger quand est-ce Ok. qu'il faut backup ou Parce que pas. parce qu'il y a un an de Parce que, ça, je comme tu voyais disais, souvent des points 2, hein. Il y a un an ou ouais, deux de parce que ça, il y avait des points 2. ça se fait plus tellement en fait en division prem. Après, Ok. division 1, 2, 3, je sais pas tellement. Parce que c'est Bah, tu joues pas. pas avec tous Si ces tu veux, gros noobs. si tu. Ah, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Aïe, tu passes une petite parole de Vouvoie là, gros. Ah, y aller de la culture et du TF2 Si, ce si, soir. attention, là, c'est Allez. poésie, grande Ouais. littérature ce soir, les gars, vous avez vu. La fouine est connectée, hein, il vient de Ouais. t'insulter. Ouais, donc en gros, en fait, si tu veux, si on perd le point, si on perd le toit, c'est assez difficile de construire un truc solide au niveau du point 3, quoi. Donc, vaut mieux jouer sécure, contrôler au niveau du sol plutôt. Et laisser tomber un peu le deuxième point. C'est un point qui est difficile à tenir. Tu le tiens facilement contre des noobs, mais contre une grosse team contre l'Angleterre, à mon avis, faut pas prendre de risques, si je peux donner mon avis. Après, on verra comment ils réagissent les Français, mais ça m'étonnerait qu'ils aillent sur le toit. Faut voir, ça sera en fonction du nombre de joueurs qui seront tombés, quoi. Nine onions, what the fuck? C'est quoi ça? Je sais pas. Onion, c'est comme ça qu'on m'appelait chez les Anglais. Du coup, c'est peut-être moi, mais alors je vois pas le nine. Je ne comprends pas du coup. Mais donc C'est c'est quoi? peut-être moi, peut-être pas moi, parce que le nine m'échappe complètement dans cette remarque. Donc c'est peut-être le mec de chez Blackout plutôt. Il doit bien avoir un Ah, qui c'est s'appelle Oignon. Gadjabok qui te fait un petit. On ne sait pas. Peu importe, on va se parler du point 3. Ouais, alors le point 3, j'ai toujours pas ta caméra, donc tu sais un peu où Jabi a tendance à se poster. Il est plutôt l'espèce de poster no dice. Ouais, Il je est le là, vois. il va se mettre à l'abri du sniper avec le heavy qui sera plutôt près des escaliers. Mista qui va certainement construire une level 3 au niveau de la fenêtre, donc avec le Wrangler, avec un petit dispenser pour bloquer le spy, donc il pourra pas trop se faire stab. Voilà, en gros, je crois qu'on est Ouais, ça presque roule. J'ai montré parti les là, hein. positions et donc le point 4 hein, qui est probablement le plus dur à prendre, le point 4. Il faut un téléport pour essayer d'arriver assez vite à mon souvenir. Et puis enfin il est pas facile à prendre le point 4, non? Ou si, ça va. Ça varie tellement en fait le point 4, ça peut aller très vite comme ça peut durer 4-5 minutes. C'est Okay. très variable, il n'y a Ok. pas de. Très bien, bah, on va voir ça. Donc on va se concentrer également sur l'équipe de France qui va installer sa défense. Donc pour ce lancement du match, ça y est, c'est fait. Hein, sur une Badwater qui se jouera en BO3, les amis, BO3. Ce qui veut dire donc qu'il va falloir gagner deux attaques défense pour l'une des deux équipes afin de gagner cette carte. Hein. On n'est plus dans les phases de groupe, les phases de groupe où il n'y avait qu'un seul round d'attaque défense et c'est celui qui le gagnait qui remportait la carte. Nous sommes dans les phases finales, donc un match plus long, un match plus intense, on l'espère, pour ce BO3 sur Badwater. Ensuite, ce sera Viaduct et la Decider, si Decider il y a, ce sera Intermodal. Donc l'installation hein, qu'on voit Moussa comme prévu hein, de la Sentry. C'est ça, classique. Bon, avec les suicides des coéquipiers pour fournir du métal à Mista, c'est le rollout 1G classique. Je vais vérifier qu'on a bien la vue et que tout le monde, qu'il n'y a pas de problème du côté du stream. Ça a l'air de rouler bien, ça a l'air de rouler bien. Ok, du coup je reviens sur la défense et je vais me mettre également sur le Demoman. Hein. Je vais commencer par regarder le Demoman du côté de l'attaque, n'est-ce pas? Afin de voir quel sera son jump. Joe, donc. On a vu hein, la position donc. On n'a pas vu la position du médic là, mais le médic est placé où Moussa, s'il te plaît? Le nôtre, il est dans le bunker. Hein. Jabi est dans le D'accord, bunker comme avec prévu. Suzy directement sur le point. Ok, et c'est parti pour le jump, Démo qui l'agression du jump. démo. Il n'y a Il qu'à jump repérer tout le. seul. Et ça Ouais, passera là, pas. et il savait pas donc où se trouvait Jabi. Hein. T'as bien vu la trajectoire du jump. Il s'est Ouais. dirigé directement sur la sentry. Donc c'était très bien. Et Jabi qui reprend position au-dessus. Effectivement, Xabi qui a rejoint hein, l'ingénieur, le Demoman, le Heavy, positionné donc sur les hauteurs pour le moment. La Sentry tient bon et le pack est encore là. On n'a pas fait claquer le beurre du côté des Anglais, donc ça se passe bien. Flippy qui trouve son premier body shot sur Starry.
Les agressions qui passent pas, un Ti qui se fait choper, un Suzy qui le découpe Ça va pas en l'air. tarder à pop, c'est parti, ça pop sur le démo, il n'y a pas de pyro, c'est assez surprenant, donc à mon avis c'est une Uber qui va pas avoir du succès. Ouais, ça se passe pas très bien, effectivement, pour Ouais, l'agression. il vaut mieux quand on pop l'Uber en bleu de ce côté avoir un pyro avec soi quand même. D'ailleurs, il y a un Mio qui pyro de l'autre côté a très également. bien fait son boulot, hein, il a blasté Ouais. tout le monde en bas, c'était parfait, la sentry est encore debout. Ouais, parce qu'on a oublié Faut... de le préciser, comme c'est un tout petit choc et que c'est sur les hauteurs, effectivement, le pyro est privilégié hein, dans cette Uber afin de C'est ça. repousser carrément l'Uber adverse et donc de faire tomber ou reculer les adversaires. Très efficace sur un petit choc juste à un coin comme ça, un hein, pyro. Hein. Ouais. Et Mista qui a besoin de soutien. Hein. Il y a beaucoup de monde qui spamme le soldier, le sniper, tout à droite au niveau du rocher. Ouais, effectivement, Timac a un petit peu pris par les attaques successives des Anglais. Pour le moment, on est en 7 contre 7, La pas de sentry qui différentiel est à tombée. l'Uber. Hein. Il n'y avait plus personne au flanc. Pas de sniper, pas de scout. Forcément, le danger vient de gauche. Ouais, le spike, il n'y aura pas eu. Hein. Le combo français qui tient. Le chariot qui avance petit à petit. Et beaucoup de kills de la part des Français pour le moment. Un pyro qui vient agresser, ça ne passera pas pour Gorestunt avec Bubble Bobbler. C'est également fait choper hein, l'ingénieur potentiellement agressif du côté des rangs anglais. Et les Français qui pour le moment tiennent bien ce point. Exactement, avec Zabi qui a toujours une Uber de prête, donc on va pouvoir garder certainement encore 20-30 secondes. Ça pop du côté des bleus, toujours pas de pyro, donc Mio qui fait parfaitement son job. Ouais, et qui agresse en plus Mio encore un En peu plus plus, loin on lui a et demandé qui d'être un meurt. peu agressif, mais qui tente du coup. Hein. C'est Mista qui lui demandait d'être Trois joueurs un peu français plus morts. violent. Ouais. Trois joueurs français morts là, c'est peut-être le moment de commencer à reculer, hein, avec T-Mac quand même qui fait du dégât là actuellement sur le Demoman. Allez, on enchaîne sur Gorestone. Double Il est kill temps, pour ouais. T-Mac. T-Mac qui finit par se faire choper. Beaucoup d'Anglais qui font du dégât. On va prendre le point et on a balayé les forces françaises. On crée un avantage à l'Uber. Bubble Bobbler qui s'est fait choper par Isil. Ça ne suffira pas à calmer les ardeurs anglaises qui avancent bien. Hein. Ils sont déjà en avancée sur le deuxième Ouais, rang. mais Mista qui a voulu s'enfuir et puis qui est tombé sous le feu du sniper. Donc là, tu vois, le deuxième point, c'est complètement mort. Ça va être même très difficile pour le troisième point avec le soldier qui est déjà au niveau du... qui vient de tomber avec un headshot de Flippy. Ouais, est-ce que tu penses qu'ils sont pas restés un peu longtemps sur ce premier point là, nos amis français? Je sais pas ce qui s'est passé. C'était l'Uber a pas eu beaucoup de succès. Je crois que c'est la sentry, on n'a pas eu le temps de la reconstruire. C'était une level 1. J'ai Il y a pas eu trois regardé ce qui morts. se passait En au fait, il y a niveau eu du trois morts tunnel. à un moment quelconque. Il y a eu trois morts français. Et à ce moment-là, les Français n'ont pas tout de suite démarré en recul. Joli kill de Flippy hein, sur le Heavy. C'est important hein, pour calmer un peu la puissance du combo. Tandis qu'on a fait tomber, certes, la sentry, mais que les Français résistent bien. C'est Flippy qui se fait prendre à partie par Ti qui se suicide sur le sniper français. Dégâts, hein, le dégât. Les Français hein, qui continuent à aligner. On a le beurre en face. On a claqué le beurre sans réussir à prendre le point 3. Très bonne affaire du côté français. Ouais, il va pouvoir construire la level 3 et se poser tranquillement là, je pense. Où est-ce qu'il en est, Mista? Je regarde. Il a son dispenser. Ouais. Ils ont pas de TP, donc nickel, hein, temporisation, on va pouvoir construire tranquillement. Et pour le moment, 31 ça roule. d'Uber. Le spike a été repéré, hein. Isil qui tue Ti à nouveau, un Ti qui meurt beaucoup. C'est le soldat agressif, mais vraiment dans son rôle Romer le plus emblématique du côté des Anglais. Ouais, et je t'ai dit une bêtise tout à l'heure, hein. Chabi, il n'est plus là où il avait l'habitude d'être, tu vois, il contrôle plutôt l'espèce de passerelle, le petit balcon, Ouais, pourquoi qui est un pas. grand classique, hein. Voilà, Alors, en avec un tout cas, moi, espèce je l'ai de... souvent vu jouer comme ça, Ah ouais? ce point. Ouais, tout à fait. Enfin, pas C'est Xabi une position particulièrement, très mais ce, avancée, hein. cette position très avancée, je l'ai souvent vu jouer par beaucoup de défense sur Badwater. On peut facilement se faire surprendre par un soldier là, par contre on le voit pas toujours arriver. Après l'intérêt c'est qu'on est à l'abri du sniper. Les échanges de kills, hein, tandis que Thiel Ermac fait le taf, affublé de Nico à l'arrière, un petit spy qui vient casser les papates d'un Thiel Ermac qui rappelle qui est la machine, qui rappelle qui est la machina aux méchants joueurs anglais. Gorston hein, qui s'occupe de dégâts, qui trouvera pas le kill pour le moment. Et on claque le beurre, on Et une force le raid beurre. qui a été forcée par les stickies de Fred. Tout à fait, Soldier qui vient agresser pour essayer de choper Xabi. Xabi qui se fait Et choper! voilà, bah, tu vois, c'est ce que je. Oui, c'est très facile de se faire surprendre par un soldier là-bas. Une fois qu'on s'est fait call, c'est vraiment compliqué. Hein. Je pense que c'est Ganja Bob qui a dit voilà, le medic il est là, il s'est fait jumper et paf, on drop facile. Bon, mes Il s'est chers du côté passé français pour exactement ce tenir. que je Hein. craignais.
C'est malheureusement effectivement le soldat agressif qui, dans son jump, a vraiment, vraiment l'effet de surprise pour lui et arrive vraiment à une position où le médic peut pas vraiment bumper, il arrive au-dessus de sa Ah tête, ouais, quoi. tu peux claquer, tu peux faire tomber deux roquettes tranquillement, quoi. Si tu rates la première, la deuxième, c'est dans la tête. Est-ce qu'il avait le beurre d'ailleurs, le Xabi? Ah oui, il a drop là. Il a drop, hein, c'est bien ce qui me semblait. Il a drop, hein. J'ai cru voir des petits Non, éclats de il avait drop. toujours pas pop. Ah ouais, il a pop. Ouais. Il a J'ai drop. beaucoup observé Attention le le style spy, de attention Captain le Etienne, spy je sur sa reconnais vie. maintenant quand on drop. Je l'ai pas vu le spy sur Xabi. On est en train de regarder Flippy pour le moment. Snow également en sniper. On peut voir le duel se jouer entre Snow et Xabi. Pour le moment, beaucoup de dégâts, Ah hein, mais beaucoup de dégâts. Mistak est tout seul au niveau de. Ouais, il faut qu'il dégage là. Voilà, ça y est, là maintenant c'est mort. Par contre, on a fait tomber le médic, hein, Flippy qui a entraîné dans sa mort Ildress. Un choix de décal qu'on a malheureusement pas vu. On n'a plus Mista, on n'a plus de sentry, c'est dangereux. On a peu de joueurs, on temporise. Hein, Ah, tu vois Bobol qui vient d'agresser le Shabby en même temps que le Soldier, il est dangereux. Hein. Yep, 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 yep. Cependant, on a fait pas mal de kills ce qui nous a permis côté français de bien temporiser. Et en temporisant, bon là il y a une pause pour le moment, mais en temporisant, eh bien on a permis aux joueurs français de se rassembler, d'être aussi nombreux, voire plus nombreux que les Anglais, de posséder le beurre. On est à 6 minutes 14 sur le troisième point, ce qui veut dire C'est qu'on crée très très bon, on crée un c'est pas temps mal. tout à fait honnête pour le moment. 6-14 contre l'Angleterre, c'est pas mal. Si on pouvait tenir encore 2-3 minutes et faire un 8 minutes, 9 minutes, ce serait nickel. Ah, Carrément. c'est dommage qu'on ait tardé à passer du point 1 au point 2 ou 3 en fait. On a perdu du temps là-bas, on a eu des difficultés à construire au niveau du troisième point également. C'est Mista qui a manqué de soutien. Je veux pas m'avancer, mais entre les deux rounds, on n'aurait pas mis une pause. Donc je pense que s'il y a une pause 1 minute 30 avant la fin de ce round, c'est que ce round va encore durer 1 minute 30. Ça, c'est ma petite théorie à moi. Ouais. Et elle est carrément en faveur des Français, je l'avoue. Mais je pense bien que c'est crédible, hein. Je vois pas pourquoi on mettrait une pause entre deux rounds. Pour quelqu'un qui Ah ouais, rejoint. À moins que ce soit un c'est bien médic qui vu. Bon, drop, t'as mais. gâché le suspense, fallait pas le dire, j'y avais pas pensé. Et attends, le suspense, ça pourrait qu'il tienne 9 minutes, Ça ferait du hein. 7 minutes. Ouais, presque 8 minutes, Du hein, 8 7 minutes, ouais. minutes Non, 40. déjà du Ouais, 8 minutes, c'est parce que pas c'est mal. 8 minutes, 6,40, 6,14 qui est c'est un temps indiqué. correct, ouais. 6,14, c'est déjà dépassé depuis un moment, parce qu'en fait, on voit que le chariot a déjà dépassé depuis un moment le point 3. Et tout ce temps n'est pas comptabilisé, hein, dans les 6,14, qui désigne le moment où on a pris le point 3. Du coup, on serait à 8 minutes. Alors après, il faut savoir, hein, qu'une défense, une défense contre l'Angleterre, c'est dur, mais qu'une attaque contre l'Angleterre, ça promet d'être dur C'est aussi, hein. encore plus dur, ouais. C'est pour ça qu'il va falloir capitaliser du temps. Donc pour l'instant, les Français Exactement, sont pas ridicules. faut encaisser le maximum de temps. J'habille qui a une Uber, donc ouais, c'est très bien ça. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, les amis, si vous avez des réactions, je vais aller lire un petit peu ce que vous racontez. Je vois que vous êtes déjà 110. C'est chouette, continuez à appeler du monde, c'est cool de voir que vous êtes là. Et n'hésitez pas, hein, puisque j'en profite, vous êtes nombreux à cliquer en dessous, voilà, sur suivre ce stream, puisque très régulièrement, hein, que ce soit au-dessus là, sur Loose Way Pognon, Facebook, Twitter, je vous donne des news de live. Et en dessous, eh bien, vous pouvez simplement vous abonner à ce stream perso, et avoir une notification dès qu'un stream commence. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose. Non, il n'y a pas quelqu'un qui refourgue des connexions pas chères. Est-ce que tu refourgues des connexions pas chères, Moussa? Des connexions internet pas chères? Ouais. Ah, faut déménager. J'ai la fibre optique, moi, à Saint-Étienne, si ça vous intéresse. 30 euros par mois, on est bien. Ah, et ça a l'air de reprendre. Ouais, donc tu conseilles qui? Je suis chez Numéricable, c'est les seuls qui font la fibre chez moi. On est à D'accord, ok. Saint-Étienne, on est bien à Saint-Étienne. Très bien. Allez, ça va reprendre, hein. Ça va reprendre. Malheureusement, on va plus avoir. Je vais carrément faire un retry. Je vais faire un retry parce que j'aimerais bien. Ah oui, ce sera pareil, ça bug Ouais. après. Sinon, ça bug du côté gauche, hein. Vous savez, Je du vais côté attendre que gauche de tu l'écran. fasses et puis. Ouais, très bien. Bah, je te dis quand j'ai rejoint. Ouais, non, je peux même plus sonder le médic. Je sais pas à combien il est, ça bug complet. Allez, Ça a je lancé? retry. Non, Ça a bravo. relancé, ouais, c'est parti. Ouais, bah de toute façon, là, ça va être de nouveau sur votre écran. L'image. Et on y est. Et le beurre qui a été claqué, hein, du côté des Français. Les Français qui ont été forcés à la claque par T, à mon avis. Hein, T qui est mort donc dans cette attaque. On avance du côté français. Est-ce qu'on arrivera à atteindre le médic? Le médic pour l'instant tient bien sur le côté. Et Degain et Suzy qui se font choper. Les Français, hein, dans une situation relativement difficile. Il va falloir surveiller un petit peu le médic. Il dresse là actuellement. Il dresse à 80%. Qui est déjà très avancé avec le reste de ses joueurs. On gère complètement Flippy et Nico là, Snow, hein, qui a gagné son duel contre Flippy, Isil qui se fait choper reparti. Les Français qui sont plus 4, les amis, contre 8 joueurs avec le beurre, à mon avis la minute 30. On va pouvoir se la carrer dans l'oignon.
Parce que là, ça devient vraiment, vraiment difficile de s'en sortir. Le chariot qui avance inéluctablement. On a perdu la sentry. Ouais. C'était une sentry qui a été construite dans l'urgence avec un point de construction pas très commun. Le beurre qui a été claqué, vous voyez, hein, les joueurs français qui tombent les uns après les autres sans même pouvoir sortir. Il reste Easy, les Mista, ils vont devoir jumper sur le, sur le chariot. C'est ce que fait Easy, c'est pas... Non. Ça ne passera pas plus que ça, 7,52. C'est pas mauvais. C'est un temps. On aurait voulu un peu plus contre les Anglais en fait. Là, va falloir urger. 7,52, effectivement, c'est un temps correct. Ni bon ni mauvais, on peut dire ça comme ça. Ou tu dirais que c'est déjà dans la catégorie bonne au-dessus de 7 minutes. Je m'étouffe, excuse-moi. C'est un temps dans la moyenne, hein. 8 minutes la moyenne sur Badwater. Donc c'est ni bon ni mauvais, hein. Y a pas de. Très bien. Donc, ce qui veut dire que les Français ont fait sensiblement, théoriquement, jeu égal avec les Anglais dans cette première partie de ce BO3. Hein, Badwater qui se jouera de toute façon en deux attaques défense gagnantes. Mais ça serait bien pour la confiance, pour l'énergie de groupe, hein, de prendre cette première attaque défense. Avec une sentry assez bizarre, je l'ai souvent vu. Il y a quelqu'un d'autre, je me souviens plus qui c'est qui l'a construit également à ce niveau-là. Je la trouve vraiment pas géniale cette sentry. Elle bouge là. Ouais, ouais. Voilà, elle bouge encore plus près. Je la trouve vraiment pas top. On verra ce que ça va donner, mais je la trouve vraiment pas géniale. À mon avis, elle va tomber assez vite. Hein. De toute façon, Bobler, tu l'aimes pas toi. Non, c'est pas que je l'aime pas. Non, mais il est très cool. C'est un gars cool. Hein. Il est sympa en dehors des stratégies. Que j'ai tendance à contester un peu, ouais. D'accord. Allez, l'agression hein, de Tillermag, je le suppose. Est-ce qu'il va avoir droit à un peu de heal? Non, il n'a pas droit à un petit peu de heal. Il y va. Oh, il a commis une bonne pipe. De Fred, hein. Il a fait tomber du monde. Ouais, tout à fait. Il a fait du dégât. Il a cependant pas fait claquer le médic. Hein. L'ingé est tombé. Hein. La sentry qui est très très weak. Ouais, la sentry qui pourrait tomber rapidement. Il a fait un jump aussi. Hein. Hydret était à moitié HP après le jump. La sentry, tu vois, qui est tombée. Ouais, logiquement. Et Ildress qui prend du spam en plus. Il a 67 HP. Bon, il pourra récupérer de la vie. Tandis que Snow a aligné Mista hein, du côté des forces anglaises actuellement. Les joueurs français qui tombent les uns après les autres en essayant de continuer à faire claque. Et on fait claque. C'est T-Mac qui conclut. Il bouge pas par contre. Hein. Faut en profiter pour pousser en même temps, faire pression sur le chariot. J'aime pas du tout ça. Hein. C'est une map payload. C'est le chariot qu'il faut pousser. Si on tue des ennemis et qu'on pousse pas le chariot, ça sert absolument à rien. Yep, et puis avoir fait avancer un peu le chariot, ça aurait vraiment aidé là, tandis qu'on a que Nico se faisait choper avant d'arriver au chariot, ouais, ça aurait aidé pendant que les autres jumpaient pour aller faire claquer. Et du coup, situation effectivement un peu négative dans ce sens-là. Par contre, on a le beurre, c'est parti, on a claqué hein, sur les forces françaises qui font tomber un paquet de joueurs, hein. Un paquet de joueurs qui sont tombés là, ouais, les Français qui prennent parfaitement la position. Encore un scout quand même pour casser les papates, mais c'est Yann Nico qui s'en charge avec l'aide de Mista. Et on arrive sur le point dans un temps tout à fait honnête. On a perdu par contre le médic et en face le beurre qui continue à monter pour Lord Ildreth. Ouais, du coup ils ont pas pu. S'ils avaient eu Zabi, je pense qu'ils auraient poussé directement en laissant pousser les petites classes scout 1G. Il y a un trap là qu'il a dû voir le Tielermac. Ouais, il l'a vu. Nico qui se fait choper par le spy adverse, le soldier qui se fait choper. Et T-Mac fait du dégât sur Starry, tandis que Flippy a aligné Snow, et là on fait du pic petit à petit, du coup cette Uber elle va... Est-ce qu'on va la claquer du côté anglaise ou pas? Et où est-ce qu'on va carrément reculer? Là Jack avait construit une sentry level 2. Ah, il se fait cut! Easy qui cut, il dress. Easy qui cut, il dress. J'en perds mes mots! J'en perds mon latin francisé! Ça c'est très très bon, ça va aider vachement ça. Carrément. Il va falloir carrément agresser la sentry, maintenant c'est le moment ou jamais. Hein. Il va falloir donner un gros coup de pression sur cette sentry qui est très très dur à faire tomber une fois qu'elle est en level 3 et avec le Wrangler. Où est-ce qu'il est le combo? Je cherche plutôt à droite. Il est où Zabi? Ah il arrive. 75%, c'est pas mal. Yep, 75%, il va falloir quand même commencer à prendre des positions là les amis. Tandis que Snow a aligné Nico, Flippy qui s'est positionné un peu en retrait là actuellement, qui attend peut-être qui attend de pousser. Ils ont un gros avantage, ils veulent pas trop se montrer, ils vont focus la T-Mac qui se fait cut. T-Mac qui se fait cut avant le push, ça c'est dommage hein, pour voilà le damage dealer hein, du combo. Ceci dit, on a chopé deux joueurs également du côté anglais, donc je pense qu'on va quand même y aller. Hein. Ouais, c'est ça parti, on y va. Sur le heavy, ça flash sur le démo. Le pyro en fait, ouais, non.
Ouais, la sentry qui tombe pas, du coup on n'a pas de démo forcément. Comment est-ce qu'on Bon, on n'a atteint pas cette de sentry démo, sur les Nico hauteurs? tout seul contre la sentry, ça va être très très dur. Effectivement, c'est compliqué. Easy, le kick out Bubble Bobbler, ça peut aider, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à Easy qui spammer la fait du sentry. gros gros boulot, hein. Il a fait tomber le medic il y a quelques secondes et qui se charge de la sentry, c'est nickel ce qu'il fait Ouais, Easy. là vraiment, Izil qui est très très Il présent dans fait ce début de match, complètement hein. son job là, il. Oh, et Nico qui découpe le Demoman, là on l'a vu, hein, sur la vue du Demoman qui n'a rien pu faire. Le Heavy qui commence à avancer avec le Soldier, le Medic. On Une se place sur le troisième, bon. point. Suzy qui se fait 4 choper. minutes. 4 minutes pour caper le dernier, c'est bon ça. Ça laisse le temps de construire 3 Uber. Avec un 2-3 avantage à Uber. l'Uber, hein. En Un avantage à plus. l'Uber qu'ils doivent connaître, hein, puisqu'on a fait claquer le Medic en face. Donc on connaît ses timings normalement du côté de Xabi, du moins on l'espère. Le soldier qui va jumper quand même pour essayer d'agresser le Medic, et qui ça passe! Ça passe pour Degain qui vient chercher Ildress, excellent de la part des Français qui continuent à mettre extrêmement cher Bien dans ce joué. round. Et là, alors là c'est un pont d'or, hein, pour les Français pour aller remporter ce premier round d'attaque défense. Izil sur le côté. Et ça pop, hein, ils ont compris, c'est un moment qu'il faut absolument mettre à profit. Sentry level 2 qui tombe. Tout à fait. Izil qui va essayer Allez. d'aller cut le Demoman, ça passe pour Izil. Et des Français, hein, qui ont fait tomber tout le monde là, Nico actuellement, ils qui sont pousse le 9. chariot. Mist avec la mini sentry pour deny un peu tout ce qui se passe. Mais et il Vie vient de sur la hauteur qui tomber. fait mal. Breakfast qui a fait 3 ki 2 kills plus la sentry, mais ça y est, ça se calme un petit peu. Par contre, il Il faut pas reste laisser 4 autant anglais. du temps aux Anglais pour revenir. On est 3, on est 2 du côté anglais, ça tombe et on passe du côté français pour caper ce premier point et Bah, donc nickel. gagner ce premier round d'attaque de défense Super. très largement. Hein. Super bien joué de la part des Bleus. Super Très bien joué. largement. Easy, ouais. Le patron. Le patron, ouais. Ouais. Clairement, il a tout changé là. Mais on notera quand même un bon collectif avec Tima qui fait Ah claquer au oui, départ, absolument, Degain qui fait tomber le absolument. C'est Medic ensuite. Ouais. Isil qui fait les ouvertures, quoi. Le Medic Exactement, qui le game tombe, la changing. sentry, c'est ouais, c'est ça. C'est exactement le mot Ouais. que je cherchais. Et les autres qui mettent à profit l'avantage, c'était super bien huilé, quoi. Magnifique. Very nice ce premier round Absolument. pour les Français. Bravo les mecs. Putain, c'est vraiment. C'était beau, hein. C'était joli à regarder. Ça poussait bien. C'était vraiment. Limite scripté quoi, le medic qui tombe, la sentry qui tombe, on pousse, c'était super bien planifié, c'était très bien joué. Ouais, c'était très très beau, c'était très très beau, et du coup on espère les Français dans la même dynamique, parce que pour le moment ils font trembler les favoris du tournoi, hein. Les voilà qui remportent le premier round d'attaque défense, ils ont donc encore deux rounds d'attaque défense pour concrétiser cette carte et remporter Badwater. Ouais, ça donne confiance, ça fait plaisir. On va voir comment ça va évoluer ensuite. Hein. Je vous rappelle que les positions sont inversées. Hein. Ceux qui ont commencé par être défenseurs sont maintenant attaquants en premier. Ce qui veut dire que les joueurs français vont devoir essayer de marquer le meilleur temps dans une nouvelle attaque. On va rejouer bleu, on va repousser le chariot à nouveau. Exactement. Alors, il va falloir, pour faire aussi bien que ce round-là, c'est pas gagné parce qu'on a dû le prendre en 5 et quelques. Hein. Le problème quand on pousse en premier, c'est qu'on n'a pas trop de référentiel, qu'on se donne pas forcément la pression, on n'a pas de. On connaît pas le temps limite, quoi. Donc ils le savent. Hein. Donc ils vont essayer de se mettre la pression et de pousser au maximum. Alors les Français là qui pour le moment sont indiqués en défense, mais ça devrait être inversé, hein. Ça va switcher, ouais. Switching now. Et ça repart assez vite d'ailleurs. Hein. Ok les enfants, et c'est reparti pour cette Badwater, les Français qui mènent 1 à 0 dans donc ce best of 3 de best of 3 si vous préférez, hein, parce que donc cette carte est en BO3, mais le match en entier est en BO3. Une fois qu'on aura gagné la carte, il va falloir en gagner une deuxième. On a bien ouvert le tournoi, hein, de la plus belle des manières, enfin ce match en tout cas dans le tournoi. Il va falloir essayer de faire aussi bien sur cette nouvelle attaque. Ouais, et toujours pareil du côté des rouges. Hein. Sentry toujours Ouais. un peu douteuse, les mêmes positions. En même temps, ça, le match a redémarré très très vite. Donc, à mon avis, ils se sont pas donné le temps de revoir un peu leur stratégie, les Anglais. Donc, tant mieux pour nous, les Bleus. Yep, on ne change pas une équipe qui foire. C'est ça, ouais. Il y a des gens qui apprennent de leurs erreurs et d'autres non, qui se complaisent un peu dans le. On va pas se moquer tout de suite cependant, parce que je Pas suis tout de sûr que suite, même on avec se les mêmes méfie. positions, ils sont capables de faire beaucoup mieux les Anglais à mon avis. Donc c'est parti pour cette ouverture, on voit on voit Ildress sur une autre position je pense. Il est où Ildress? Oui, il est... Ah non, il est sur la même position que la dernière fois. Non, Ildress a changé de position. Ils ont quand même changé de position. T'as vu, Si, ils Ildress ont a pris le copié les même. Français, ils Voilà. ont vu que ça marchait, ils se sont dit on va faire pareil, tiens. Exactement. Du coup, Cyrama qui va peut-être être déçu dans son jump. Ah non, il pose une Ouh deuxième là là, sticky. il a force, c'est super ce qu'il a fait. Qui l'a forcé? C'est Degain qui a forcé au niveau du bunker. Very nice. Ah ouais, Je sais effectivement. pas, j'ai pas vu Easy, peut-être qu'il a fait le call.
Pour dire qu'elle Le est call dans a le été fait bunker. effectivement parce que T-Mac, au lieu de poser une seule sticky, en a posé deux et a jumpé dans la direction du bunker. Donc le call avait été fait. Ok, bah très bien joué. On a l'avantage, la sentry est toujours en place. Ça Effectivement, spam quelques et pour le grenades. moment, ouais, pour le moment, pas de mort. On attend un petit peu le push Et on français pour voir pousse si à ça droite. passe. Bah, attention, Shabby. Shabby qui a été forcé par le parti. Seul le soldier qui tombe, ça va être dur de spammer la sentry. Allez, Elle c'est tombera parti, c'est finalement. tombé. Par contre, beaucoup moins net hein, cette victoire, enfin beaucoup moins net au nombre de frags, hein, 4 contre 4 actuellement. Les joueurs anglais qui sont toujours bien présents dans l'action, Suzy qui Ouais, prend mais ils vont relativement battre en cher. retraite, hein. Ils vont battre en retraite. Là, ils ont absolument plus rien en haut à part le soldier. Tu as le démon qui... Ouais, ça s'en va là. Hein. Super. Se dire qu'il va probablement essayer d'agresser. On le Ça voit, va on agresse caper. directement. Et ça part. Oh, la belle roquette Reflect par Mihawk. Ti Demi-haut, ouais. qui se la prend sur le, voilà, sur le coin de la gueule et en mid-air. C'était bien fait. Et alors là, est-ce qu'on va avoir droit à une position de point 2? Apparemment, il reste en bas. Alors on a des gars qui contrôlent déjà le toit, qui s'amusent à jump, qui met la pression sur le sniper, qui tombera pas. J'essaie de chercher l'ingé du côté des rouges. Ouais, Bubble est parti construire directement en troisième point. D'accord, donc le deuxième point qui est effectivement qu'une phase de transition. C'est ça, on va pas tarder à le caper. J'essaie juste de gagner quelques précieuses secondes. On a pris les hauteurs, forcément si on laisse les hauteurs, ça laisse déjà une sacrée marge aux joueurs Absolument. attaquants pour prendre la deuxième position. Voilà, contrôler les hauteurs, c'est le seul moyen de tenir cette deuxième position. Et comme on ne veut pas perdre la troisième, tu nous as expliqué, qui est bien plus profitable. C'est ça. Et Thomas Attention déjà de sticky côté trap, anglais. attention sticky trap là en bas, attention. Ouais, On a ça claqué. pop juste à temps, ouais. On a claqué en face, on va claquer également. Le pyro qui repousse un peu, tout ce petit monde avec le heavy bénéficie également de l'over. Les anglais qui vont avoir une barre un peu plus longue. On recule correctement du côté des français. Flippy Ouais, continue à je faire le trouve ça taf. dommage de reculer comme ça dès que l'adversaire contre pop. À mon avis, il aurait fallu peut-être l'utiliser sur la sentry, ça aurait pu donner un coup de main. Là, on se retrouve à égalité à nouveau, je sais pas. Ouais, ils ont peut-être essayé de créer la différence dans cette attaque, à savoir qu'ils ont quand même claqué plus tôt les Français, donc ils ont reculé peut-être un peu également pour pas perdre un ou Ouais, deux joueurs dans la ouais. fin de l'over adverse, hein, ça arrive. Un choix discutable apparemment, selon notre analyste. Voilà, dégâts avec forcément qui prend sa tête et qui meurt. Et qui spammait la sentry et la sentry qui. En fait, il y avait une synchro entre dégâts qui spammait la sentry et Izil qui la piratait. Ah, c'est dommage, il avait réussi à passer derrière avant que Bubble construise son dispenser pour le bloquer. Là, il est en place, le dispenser, ça va être difficile de remonter en haut. C'est dommage que ça ait pas marché. Et là potentiellement 1.3 qui pourrait bien tenir. Ça y est, le beurre qui a été claqué du côté français. Et on claque de l'autre côté. Toujours le pyro en mono qui repousse. On sent les anglais qui ont changé quand même en bonne partie leur stratégie finalement. On a été mauvaise langue. Et pour le moment, en tout cas sur ce point 3, ça paye. Tandis que les deux premiers points ont été pris extrêmement rapidement. Mais le troisième point qui tient bien la route pour les anglais. Fred qui est tombé aussi, qui a tenté un jump en solo. Ouais, des tentatives individuelles hein, qui peuvent. Qui peuvent faire la différence, hein, pourquoi pas, mais. Qui peuvent faire la différence, mais qui peuvent aussi montrer d'un manque de solutions stratégiques C'est générales. ça, ouais, vaut mieux prendre le temps et construire correctement plutôt que de tenter le diable. En sniper, on gagne son duel du côté de Flippy. On va voir du coup si ça lui donne un peu de place pour aller sniper. Les Anglais qui sont bien cachés hein, dans le coin. Il y a T qui donne beaucoup de fil à retordre hein, en haut, qui soutient bien son ingé. L'ingé qui vient de tomber d'ailleurs, je vois. Hein. J'ai raté ça. Ah bah Yep, et la super. mitrailleuse également. Ouais. Doresta n'a pas eu le temps de la réparer. Ah Le beurre a super. été claqué côté français, il n'a pas été claqué forcément, on l'a pas encore du côté anglais, les anglais qui vont revenir avec le beurre là. Ouais. Mais ils ont personne hein, pour la mettre vraiment à profit, à part Ouais, le du coup on recule. Hein. pyro. Il manque le démo et le heavy, donc ils vont pas l'utiliser. Du coup 4-22 pour le moment, et beaucoup de joueurs anglais qui sont morts, ça a peut-être l'occasion d'agresser là du côté français. Pour essayer d'aller Ouais. faire claque au moins. Apparemment on choisit d'avancer le chariot. Dommage, hein, peut-être que les Français n'aient pas utilisé cette ouverture là pour jeter 3-4 joueurs Il manquait juste le dans heavy l'arène. en même temps hein, chez les rouges. Non, il y avait 3-4 morts à un moment. Ouais. Pas bien longtemps, mais il y a eu. Oh là là, et leur disgrace qui drop! T-Mac, la double pipe incroyable de Thiel Armac, la machine qui en action vient encore de faire tomber l'Ildress. Oh là là, le Super, drop, mais super. Là, incroyable! ça va pousser. Attention au sticky trap sur le chariot. Faut que quelqu'un les spot. Nico en duel, qui gagne son duel, qui va certainement. Le beurre qui a déjà été claqué, hein, donc pour le spot de Sentry de Sticky, ça sera Ok. peut-être après que ça peut poser problème, c'est Sticky.
C'est bon, ça passe, hein. On avance, on est sur la ville break face. Suzy, maintenant, sur les hauteurs, qui découpe, là. Le sniper qui tombe, bien joué de la part de Suzy. Hydrate qui est passé sur une quick fix, hein. Ouais, bon, peut-être pour essayer de la récupérer rapidement, mais pour le moment, ça tient pas. Il vient de faire tomber le médic. Et ça fait mal du côté français, là, ça tombe. Ah, excusez-moi, il y a quand même également les Anglais, hein, qui reviennent un petit peu. Mais Suzy qui fait tellement de dégâts. Suzy qui a découpé l'équipe adverse sur les hauteurs. Et ça, ça a fait vraiment beaucoup de bien à la formation française. Tandis que Star, il tient, hein, avec 125 pousser, HP. Là, il faut pousser, ils sont deux en face. Qu'est-ce qu'on attend pour pousser? En fait, on est en train de revenir du côté français. On est en train de revenir, on a un TP, mais faut pousser, là. Faut pas les laisser le temps de reprendre position. Malheureusement, la position qui est en train d'être prise par les Anglais, petit à petit. Ceci dit, on perd quand même, mais Mista qui donne sa vie, hein, dans ce duel. Les joueurs anglais qui sont réinstallés dans la position. Très avancée, hein, des rouges d'ailleurs. Ouais, ça va leur porter préjudice. Il dresse qui vient de tomber, qui était toujours en quick fix. Très bien, ça, ce qui le dit dresse. Ça va permettre toujours aux Français d'avoir de nouveau un push. Du côté des rouges. Ouais, je pense qu'on construit tranquillement. Il n'y a plus grand monde. Ça a poussé, hein, pour les Français. On les voit dans le coin, là ils sont en train de monter le beurre. 90%, on va bientôt s'engager, hein. Avec quand même Green Jabob qui est par là, en spy. Ce qui va pouvoir nous faire quelque chose. Et une pause apparemment. Ça pose. On aime bien nous mettre des petites pauses juste avant la fin des rounds, mon Mista. Ouais, mon Mista, durer, mon Moussa. On fait durer le suspense. Mmh. Les petits bâtards. Mmh. Alors que le temps aurait été vraiment, vraiment, vraiment bon si on avait capé sur le dernier push là. Hein. On s'est fait surprendre par le pyro, il me semble. C'est lui qui a nettoyé un peu ce qui se passait autour du chariot quand ça poussait. Mmh. Un petit coup de coude également, hein. Starry qui était bien là. Mmh. Qui était bien là. Je me demande si c'est Starry. Non, bah non. C'est Starry. Ouais. Je connais pas Starry. Je le connais pas mieux. Il joue en 6v6. Et donc les joueurs français là qui vont repousser avec un avantage au beurre alors que le chariot est presque placé et que la sentry encore, il faut qu'elle se déplace, attention. Cette sentry. Hein. Ça fait deux fois qu'il l'a construit au même endroit, je la trouve vraiment pas top non plus. C'est freestyle là. Hein. C'est même pas freestyle, je pense qu'il aime bien ce spot. En fait, il l'a construit ici, il se met un peu à l'écart et puis il la shoot pour la réparer avec le. Merde, comment ça s'appelle ce. Le Rescue Ranger. Mm-hmm. Il la répare à distance. D'accord. C'est très, très agressif pour le coup, hein. C'est-à-dire que dès qu'on sort la tête de ce petit coin-là, eh ben on ouais, se prend mais, la tronche. Fred, mais du coup, elle est facile à spammer. Fred, il va en faire une bouchée, hein. elle est pas géniale. Surtout avec un avantage au beurre, c'est-à-dire que sans avantage au beurre encore, tu peux pas montrer trop ta tête parce que tu te fais sniper, etc. Si t'arrives en demoman avec une beurre, là, tu poses tes 4 sticky à la vitesse de l'enfer. C'est ça. On va refaire, hein. On va relancer bien sûr... On va relancer une fois qu'on voit que la pause commence à disparaître afin de pouvoir profiter donc de ce HUD à gauche qui sinon bloque, hein, après une pause pendant le temps qu'a duré la pause. Et il reste toujours avec le quick fix à 10%. C'est pas bête de sa part. Hein. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas bête de sa part s'il mourrait pas 5 fois par round, quoi. Ouais, pour le moment, il peut pas le capitaliser. Ceci, comme ça monte vite, un quick fix, peut-être qu'il aura l'occasion de l'utiliser. Ça leur permet de jouer très agressif en fait. Tu vois, ils sont montés un peu sur la pente. Bon, il est tombé, c'est des gars qu'il a tué tout à l'heure, mais ça leur permet d'avoir des positions très avancées et de permettre aux autres de construire un peu derrière, l'ingé surtout. En fait, me corriges, c'est pas tellement au moment de le beurre que le quick fix a un potentiel, qu'on est en train de jouer simplement parce que le heal est très rapide, quoi. Absolument, ça permet de pousser un peu tout le monde, d'essayer de prendre du terrain en fait, hein, de reprendre le terrain qu'on s'est fait piquer. Ouais. On peut monter deux fois moins au over heal, mais le heal monte plus vite. Ouais, on peut bien répartir le heal, soigner un peu tout le monde assez rapidement. C'est pour ça qu'on voit le heavy et le démo très très haut là. Je pense qu'ils vont essayer de pousser au maximum au niveau du dispenser, faire tomber le téléporteur si possible. Quel sera le temps là, hein. Si jamais ça se conclut là, on aura un temps à 7 minutes, je crois, quelque chose comme ça. On est autour de 7 minutes, il me semble. Ouais. C'est un temps tout à fait honorable, hein. Si jamais ce push fonctionne et tourne à peu près à une bonne vitesse jusqu'à l'arrivée, ben on devrait avoir 7 minutes, selon moi. Parce qu'on a fait un drop d'Ildress là. Puis on a poussé avec une burst charge. Ça a été long, hein, la phase au moment où le burst charge était fini, où restaient quelques joueurs, etc. Ça durait pas mal de temps. Ah, c'est parti, retry. Pareil, on fait le retry donc qui va nous permettre, hein, donc d'essayer
de voir un petit peu ce qui va se passer dans ce dernier push essentiel, hein, ce dernier push, peut-être dernier push, puisque si jamais on remporte en 7 minutes 7 attaques, on peut se prendre à rêver à un 2-0 sur Badwater. 2-0 sur Badwater, ça ferait vraiment du bien à l'aune de Viaduct. Ça ferait très très plaisir, c'est sûr. Carrément. Surtout que Viaduct, on est moins bon. Badwater, c'est une map que les Français maîtrisent pas mal en même temps, donc il faut vraiment... Faut vraiment la gagner cette map. Viaduct, ça sera un peu plus compliqué à mon avis. Quoi qu'ils l'ont pas mal, ils l'ont pas mal joué. Hein. Ils sont entraînés à fond dessus. Je les ai vus les deux dernières semaines. Oh, on a du mal à rejoindre moi de mon côté. T'as réussi toi? Sending a client info. Ouais, c'est ça. Bah, c'est peut-être parce que la pause est encore là. Hein. J'espère qu'on va pas rater ce dernier push, je suppose que non, hein, si jamais on peut pas recevoir les infos clients, c'est probablement que la pause c'est pas des pauses, hein, je le suppose. Je fais un autre retry. Tu me dis Ouais, toi si t'arrives à rejoindre. je pense ils étaient 9 contre 9, hein. C'était peut-être une pause, tu sais, de 1 ou 2 secondes pour permettre à l'autre de rejoindre, mais je crois qu'ils étaient 9 contre 9, Non hein, mais de ils ont toute façon doublé. tu peux pas le voir, c'est 1 minute 30 après ce qu'on est en train de voir Ah que ouais. ça a un impact. Donc c'est pas maintenant Ouais, cette ouais, affaire de ouais. déconnexion. Allez, c'est parti, j'y suis, moi. Tiens toi. Ok. Ben, Ouais. je vais essayer de rejoindre. Où est-ce que tu en es? Dis-nous en mode radio. C'est toujours en pause, en fait. T'es toujours en pause? C'est toujours en T'as réussi pause. à rejoindre alors que c'était en pause. Ouais, Friponus magique. Magnus. Bon très bien, ça veut dire qu'on rate rien. Magique. T'es que Flip me félicite pour mon bonnet, pauvre inconscient, hein, se moquer Ah, j'ai pas de mon regardé, style. Fais Tiens, attention. je fais un petit alt-tab pour voir ça. Ah, petit Il y a bonnet des noir. Harlem Shake qui se perdent. Hein. J'ai des dossiers, Flip. Fais attention à toi. Hein, le Harlem Shake de Flip, connu hein, maintenant sur trois continents. Dans ces soirées de fin d'année, de beuverie lamentable étudiante. On a des preuves, Flip. Fais attention à tes fesses. Mais je n'arrive pas à rejoindre. Le jeu, il est Ouais, cassé. bah ça on est au même stade, hein. On a les bleus tout autour du dispenser, il y a énormément de monde autour du dispenser, il y a le spike qui est juste au-dessus des pipes. Tu vois où elles sont les trois pipes en béton là? Il y a Les le trois pipes spike en béton. qui regarde un peu ce qui se passe autour du dispenser, là où était le dispenser, donc il voit exactement ce qui se passe, mais je pense qu'elle a été spotée par Suzy qui vise exactement en cette direction, donc le spy il s'est fait spotter. Voilà. Ok. Oui, ça y est, j'ai réussi à rejoindre. Hein. On est toujours en situation de pause. Les gros tarés hein, nous mettent des pauses alors que c'est un BO3 sur Badwater. C'est la promesse que le match finit à 11h30. Aïe aïe aïe, allez, ça C'est y est, la parti. dépose. La dépose, du coup, Je le bug qui retry. va rester encore un moment. Allez, on est parti sur le Demoman français. Demoman français, Nico, c'est le premier qui tombe. Est un joueur français, effectivement. Sur les hauteurs, on s'est positionné du côté de Thielerma et ses camarades. Thielerma qui prend cher, Xabi qui tombe également. Les Anglais qui défendent parfaitement dans cette situation. On a plus que 3 joueurs français actuellement. On a personne de Deguin et Isil. Deguin qui chope, il graisse. C'est très important de la part de Deguin, certes, mais cet avantage au beurre qui n'aura pas été fonctionnel. Les Français hein, qui n'ont pas réussi à faire quelque Pas chose. forcément en fait, je pense qu'Ildred va switcher sur une Uber du coup, hein, si Zabi est tombé, je viens juste d'arriver sur le serveur là, ça y est. Ça m'étonnerait pas qu'il repasse sur une Uber notre ami Ildred. Ça m'étonnerait pas complètement qu'on continue à pusher du côté français. On vient de faire tomber Aussi, quand même deux joueurs. ouais, il faut maintenir la pression du coup, hein, sinon... Est-ce qu'on va Non, réussir à le faire? quick fix toujours, alors attention. Un quick fix, faut éviter de soigner le soldier pendant qu'il jump, sinon Deguin on est qui chope exposé. Ildress. Ildred qui est tombé du coup, hein. Ouais, beaucoup Il beaucoup de joueurs s'est fait très weak jumper chez par les Deguin. Français, mais il y a plus de joueurs français vivants. Plus maintenant Deguin d'ailleurs. qui arrête pas de faire tomber le médic, hein. Il enchaîne complètement. Aucun répit au médic rouge. Et Starry qui a mis tellement cher là actuellement, tandis que l'agression continue, certes, mais qu'on a perdu beaucoup beaucoup de joueurs côté français, il serait peut-être temps de s'arrêter là les amis. On a fait tomber Ildress, Xabi qui a 92%, les Français qui devraient peut-être temporiser sans perdre leur médic là actuellement, attendre 2-3 joueurs et y aller, même si on perd quelques secondes encore, il faut assurer. Hein. Tout à l'heure en avantage au beurre, ça n'était pas passé. Allez, on découpe T sur les hauteurs. On était placé relativement bas du côté du combo français. Et du coup, ça a permis hein, de réagir rapidement à la position d'agressive de roamer anglais. Et les Français qui devraient démarrer là. Non, les Français qui ont claqué leur rubber. Mais quand ont-ils claqué leur rubber? Il était tombé aux dernières nouvelles, je sais pas du tout, ça fait 10 secondes, je viens d'arriver. What the La fuck? sentry a changé de position chez les rouges,
Elle est très dangereuse cette sentry, elle va être très difficile à faire tomber. Oh là là, c'est terrible là, ce qui est en train de se passer parce que les Français qui étaient vraiment un cheveu tout à l'heure, un joueur ou deux, hein, de caper le point extrêmement rapidement et qui patinent sur ce point 4. Et en patinant sur ce point 4, ça change pas mal la configuration. Hein. On passe d'un round qui aurait été tout à sentry fait est tombée, positif hein. Bonne à coordination quelque chose entre de plus Izzy et les dégâts. négatif. Ouais. Izzy qui sape et les dégâts qui jump dessus, c'était bien. Quick fix de prête chez les rouges. Tout à fait. Il reste Mais qu'avec Mista Quick qui Fix. fait du bon boulot aussi avec cette mini, hein. Elle dérange pas mal celle-là. Et pour le moment, on n'arrive pas à trouver la faille. Côté français, on attend le beurre qui va être prêt en Uber contre Quick Fix. Là, on va y aller, hein. On va y aller, on est dans la vue, hein, du Demoman anglais qui va bénéficier d'une partie du Quick Fix avec le beurre. A été claqué du côté français. Français qui font tomber T seulement, mais pour l'instant, c'est Flippy à l'arrière qui fait le premier kill. Starry qui Mista qui fait enchaîne. du super boulot là derrière. Ah dommage, il est tombé. La mini est toujours debout. Ouais, la mini qui est toujours debout, une partie du combo qui en bas continue à Ah, elle va résister. aller Flippy tomber sur cette Snow. mini. Elle est excellente cette mini. Il faut pousser par contre. Le chariot il bouge pas, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Il faut se battre. Il y a beaucoup de morts quand même là, ils ont vraiment essayé, ils commencent à prendre la position les Il Français, il y a énormément reste de deux morts, ans ça va là, ça y passer. est. Là ça va passer, ça y est, c'est sûr pour les Français, on est en train de se positionner petit à petit sur le point, je Aïe fais mon aïe malin en aïe disant que aïe c'est aïe. sûr, mais ça respawn massivement côté anglais en synchronisation, ça fait que des kills en faveur de nos adversaires et Flippy Mon continue dieu, à mon faire des dieu. décals, mais les décals qui ne suffiront pas, c'est catastrophique hein, Mon dieu, vraiment, mon dieu, parce que là on y était. c'était mauvais, c'était mauvais. Ils ont Oh. trop tardé à pousser le chariot. Il restait deux Anglais, on était encore debout. J'aime pas quand ça essaie de tuer du people alors que il y a plus personne en face. Faut à la limite se battre autour du chariot, tu vois. Et là, voilà, on a vraiment. C'est dommage de pas avoir mis ça à profit. Là, du coup, ça reconstruit. Level 1, medic en place, 60% de quick fix. Ouais, le temps qui arrive probablement On 10 minutes a là. vraiment perdu une grosse, grosse occasion de caper le dernier point. Nico qui vient couvrir Flippy, hein. Il joue toujours en symbiose le scout et le sniper des Français. Avec le chariot qui recule en plus, là, ça. Oh, Mihawk qui sauve Suzy. Très beau reflect. Et qui vient choper T. Bien joué de la part de Mihawk. Et du coup, des joueurs français, des joueurs anglais qui tombent petit à petit, les Français qui attendent leur rubber. Des joueurs français qui dévissent un peu là. Ouais, On a bah là, c'est à combien? dire qu'ils n'ont pas vraiment de stratégie 95%. particulière pour tenir. Il y a le secours rapide en face. Du coup, ils savent que si jamais ils frappent fort et s'ils frappent puissamment sur leur rubber, ça pourrait passer. C'est le rubber qui a été claqué. Maintenant, il va falloir en faire quelque chose, les amis. Les Français qui sont encore sur les hauteurs. On n'arrive pas à faire le kill pour le moment. Mihawk qui chope Green Job. En face, le Demoman fait du spam sur Mihawk, sur Suzy, sur Xabi. Breakfast, I love the Queen. Donc, le Demoman anglais qui ont fait la majorité des kills pour la line-up de la Reine d'Angleterre. Et ça fait de nouveau mal pour les Français. Les Français qui n'arrivent Uber pas à prendre ce contre quatrième point. Quickfix, elle a servi à quoi cette Uber? Elle a fait tomber quelqu'un, quelque chose Bah deux joueurs, mais très Ah, lentement et c'était pas. des classes auxiliaires. Hein. Ah, ça devient très très moche là. Un chariot qui toujours recule, Sentry qui a changé de position, tant mieux pour nous. Ah les Anglais, ouais les Anglais qui défendent parfaitement ce point 4, il faut le signaler aussi que du côté anglais. Elle Hein. marche bien finalement cette Quickfix, hein. Ouais. Il veut pas changer, il reste. Elle a Uber de peut-être nouveau surpris un prête. peu les Français. Ouais. Izil qui regarde ce qui se passe. L'agression sur Ildress, avantage P, Ildress. Oh là là, il survit, mais au millimètre, et il claque le quick fix pour survivre. Hein, le beurre qui est en train d'être utilisé par les Anglais. Les Français qui temporisent un petit peu, ils vont bientôt avoir leur beurre. Ils sont sur le coin et ils vont bientôt pousser, Ah, on j'aimerais bien qu'on suppose. touche le chariot quand même, juste le toucher. Ah, crit, Ah, c'est carrément, Crit, d'accord. d'accord. Oh Ah là, ouais, il y ah a bah l'arma qui se non. fait découper. Non, 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 non. Ça ne passera pas, ça les amis, hein, cette critique, voilà, cette critique qui n'aura pas surpris Il faut aider l'adversaire. Suzy là, il faut aider. Ouais. Et 6 contre 5 en la faveur des Français. Maintenant, on va essayer d'enchaîner les frags. Là, actuellement, on est sur la vue de Snow. Hein, du côté anglais, attends, il a chopé blablabla. Snow, la tête sur Nico qui sautait dans un coin sur la droite hein, du dernier point. On enchaîne directement le kill à la machette sur Isil. Et le décal côté anglais, les Anglais qui ont déjà assuré une excellente, excellente défense. Le seul défaut de cette défense, hein, c'est que leur troisième point est très faible et que du coup, s'il y a défense du quatrième point, éventuellement du côté français, eh bien, on pourrait remporter quand même le round. Mais il va falloir prendre exemple sur cette défense anglaise absolument sans faille. Complètement, ouais. Dégain qui a fait tomber Ildret encore une fois. Dégain, il fait du gros boulot, mais je pense qu'il doit être déçu que ça suive pas derrière.
Il fait tomber le médic systématiquement. À chaque fois qu'il jump, toujours du succès. Flippy, on est sur la vue de Flippy qui a pris une position complètement aberrante là. Il est complètement à l'arrière. Il reste, c'est même pas qu'il est là. Si, ça y est, il s'est fait repérer. Il a fait deux kills, hein. Deux headshots coup sur coup sur l'adversaire anglais. C'était beau de la part de Flippy, hein, cette position. Il fallait vraiment oser. Ça, c'était pour le petit exploit individuel, mais ça ne permettra pas, hein, de non, pousser les rangs anglais. Ça fera pas la différence. On repousse très agressivement là, un Heavy qui est obligé de reculer, le Heavy qui se fait prendre à partie, partie à l'Armac. On prend relativement cher du côté des Ranglais là actuellement, mais ceci dit c'est Mio qui tombe en premier. Les Français qui n'arrivent pas à concrétiser le kill avec Suzy quand même sur Gorestone, mais on enchaîne, Brain Phase sur double qui mange littéralement l'équipe française, qui s'écrase sur le pack anglais, ça ne passe pas, il reste 0 secondes. Ça se conclura par seulement 3 points de KP pour les Français, ce qui promettait d'être une défense idyllique se retourne en défense cauchemardesque. Gros cauchemar, ouais. Ils doivent s'en vouloir de ne pas avoir poussé quand il le fallait avec ses tubeurs, avec le chariot à genre 10 cm du point final. C'était très très moche. Et puis derrière, ça n'a pas suivi. Ouais, ça va être dur pour les Français. Là, ils ont pas 30 000 solutions. La solution, c'est une défense héroïque du point 1 ou alors une défense héroïque du point 4. Basiquement, il n'y a pas tellement d'entre-deux. On défend rarement le point 3 jusqu'au bout, ça arrive extrêmement rarement, je pense. Ça arrive peut-être. J'ai déjà vu ça. Ça arrive, mais contre les Anglais, je pense pas que ça arrivera. Hein. Ouais. Les Français qui sont vraiment, vraiment dans une position de se faire revenir à égalité, hein, sur cette Badwater. C'est difficile. Ouais, faut essayer de gagner du temps sur le point 1 et partir directement sur le point 3. Oublier complètement le point 2 et faire un truc extrêmement solide au 3. Et tenir autant que possible. Ça va être très très compliqué. Ça va être effectivement très très compliqué, mon cher Moussa. On va voir ce qu'on va réussir à trouver. Côté des rangs français, oh bah on a le Demoman et le Medic français à la suite. Je vais en profiter donc. Zabi pour l'instant en position de défense. Et on va pouvoir suivre l'agression, hein, les agressions du côté des rangs anglais. Un Demoman qui devrait bientôt jumper. C'est parti pour le Demoman. Demoman qui trouvera pas le kill, mais oh là là. C'est le soldier qui est venu trouver Xabi quand même. Hein. Ouais, on fait claquer, hein. On fait claquer Xabi, effectivement. C'est le soldier, tu l'as dit. Ti qui a conclu le travail des rangs anglais pour faire claquer le médic français. Et ensuite, c'est évidemment beaucoup plus facile avec l'avantage de beurre de percer ce premier point. Snow qui kill Flippy en plus, hein. On n'a pas notre fameux sniper pour couvrir les flancs et faire un miracle. Tu vois, les bleus ont le mérite de pousser, quoi. Ils s'attardent vraiment sur le. Ouais. Ils claquent par le contrebas. Ils claquent sur le contrebas. Alors, est-ce que dans cette position, ils vont réussir à faire suffisamment de dégâts? On va le savoir rapidement. Pour l'instant, les Français sont encore en nombre de 6. On est 7 du côté des rangs anglais. Oh, le Demoman en difficulté. Il se fait choper. Parti à l'Armac. Exabi. Mais beaucoup de kills. Beaucoup de kills par Bubble Bobbler et Breakfast. Et les Français qui n'ont plus qu'Izil dans leur poche. C'est et là, les bleus vont monter complètement au deuxième. Ça va monter, tu vois, les grosses classes qui vont monter. On laisse les petits pousser, le soldier qui monte, même le sniper. On va camper la porte. Et entre parenthèses, si on prend le troisième point avant les 3 minutes, je vous signale que la c'est map terminé. Est remportée. Hein. Donc il faut également terminé. Tenir ce point 3 là du côté des Français. Ti qui est déjà au niveau de la fenêtre, donc ça condamne l'initiative de Mista. Voilà, tête de Flippy sur le Demoman, ça fait un petit peu de bien là, l'équipe française peut-être pour se replacer. Oh, Green, Jabob qui chope Mista, l'ingénieur qui aura du mal à placer sa sentry. Il va falloir défendre du côté des Français, hein, on remonte sur la position 3. Le spy à l'arrière qui se fait repérer tandis que Snow aligne Izil. Rien de méchant hein, dans cette affaire. Et le beurre qui a été claqué. Ils ont pas, ouais, 80% pour... Pour Xabi qui est obligé de battre en retraite. Ouais, des gains qui agressent. Je pense que ça va pop aussitôt, il faut bloquer le... Ouais, c'est parti. Effectivement, Thiel Armac qui bénéficie hein, de le beurre. C'est parti. Et il va falloir vraiment tenir encore 2 minutes ce troisième point pour espérer faire quelque chose dans ce round. Les bonnes pipes de Thiel Armac qui connectent sur Bubble Bobbler. Cependant, un seul kill, ça n'est pas suffisant pour se donner du mou côté français. On va continuer à être sous la pression sur le choc là actuellement. Tandis que l'équipe du côté anglais continue à essayer de pousser petit à petit le chariot. Un scout, hein, la personne de Nico qui met de la pression là actuellement avec le spy sur le côté. On essaie de tenir les forces anglaises qui reculent petit à petit. On va peut-être avoir un peu d'air. Ouais, c'était bien fait de récupérer. Part de Uzi et Nico qui sont allés mettre un coup de pression sur le médic pour lui dire écoute, c'est pas le moment de pousser, nous on va prendre un peu de terrain, on a besoin que Mista construise. C'est ce qu'il fait d'ailleurs Mista, il a placé son dispenser, il est à l'abri.
J'espère qu'il se fait choper, hein, le bon travail du pyro avec T-Shop, Nio, Xabi et T-Mac. L'agression du soldier anglais qui aurait été absolument parfaite. Et on enchaîne le Demoman, Starry également qui fait du taf avec le Heavy qui continue, hein, sur la position droite. Et on va aller caper pour la victoire du côté anglais. Un round encore mieux remporté que tout à l'heure. Il est tombé, je crois. Oh là là, un round qui aurait été encore beaucoup, beaucoup mieux remporté par les Anglais que les Français n'ont remporté le premier. Hein. Parce que là, c'était une tenue de la défense jusqu'au dernier moment, puis 3 points pris avant les 3 minutes. Ouais, c'est terrifiant. On est passé du super à l'exécrable, là. Aïe, 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 c'est terrifiant. On lâche des petits rips et des petits lol du côté de des viewers. Un petit good round pour Aki qui, quand même, c'est positif. Pas fini. C'est pas fini. Ouais, effectivement, c'est pas fini, mais ça augure un dû un peu moins bon quand même, parce que là actuellement ceux qui ont fait l'exploit sont les Anglais. Hein. Ils sont dans leur moment de baraka. Ils profitent du moment de hype là et ils vont peut-être essayer de nous infliger le même genre de tarif que précédemment. Ouais, ils sont chauds. Ils ont mis du temps à se mettre dans le bain, mais là ils sont chauds. Du coup, question, qui est-ce qui va commencer le round d'attaque défense? C'est ceux qui ont fait le meilleur temps. Je sais pas, ou alors c'est le consensus, ils discutent si ça convient aux deux équipes. Non, je crois qu'il y a une règle du meilleur temps à mon souvenir. Ouais. Ouais, c'est celui qui a remporté, qui a fait le meilleur temps en attaque. Qui choisit, ouais, normalement c'est ça. Après, après s'ils sont d'accord tous les deux, de toute façon, il n'y a pas de débat. Mais... Ouais. Je crois que les Anglais veulent attaquer d'abord. Yep, effectivement, voilà, hein, ce sont les Anglais qui ont choisi, hein, après leur cap en 3 minutes, hein, en attaque là. Enfin, en 1 minute 40, 50, je sais pas, 2 minutes. Et du coup, effectivement, hein, ils choisissent l'attaque. 3 minutes peut-être quand même. C'est moi qui bug. Ils choisissent l'attaque, donc ils vont attaquer en premier les Anglais. Ils vont essayer de mettre un grand coup derrière les oreilles aux Français. C'est original, hein, parce que finalement c'est dans leur défense en premier qu'ils s'en étaient le mieux sortis, les Anglais. Ils choisissent d'attaquer en premier. Ouais, ça permet d'avoir un référentiel, comme je disais. Ils savent, ils auront un temps limite. Ensuite, quand ils iront défendre, ils sauront combien de temps il faudra le tenir. Ça permet d'avoir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre si ils capent en 8 minutes, ils savent qu'ils doivent le défendre ensuite 8 minutes, quoi. C'est le seul intérêt d'être en bleu, à mon avis. Ouais, j'entends bien, effectivement, ça pourrait éventuellement les faire changer de stratégie selon les situations. Selon les situations, ça pourrait les faire effectivement changer de stratégie, ces Anglais, une fois qu'ils devront prendre une défense, selon que ce soit une défense de 6 minutes ou de 10. Mmh. Ok, c'est parti donc pour ce troisième round décisif en ce qui concerne cette première carte de la confrontation des 8e de finale Angleterre-France. Les Anglais qui viennent de revenir au score de très très belle manière après que les Français aient inscrit un très beau premier round. Qui saura s'inspirer de sa meilleure performance entre les Anglais et les Français? On va le savoir tout de suite, puisque le troisième round se lance. Ça switch et c'est parti. Yep. Alors je vais vous prendre Thiel Armac. Hop. Non, excusez-moi, pas Thiel Armac, l'autre Demoman. On va peut-être regarder le Soldier cette fois-ci. On regarde pas assez le Soldier. On va regarder T. T qui m'a l'air de faire de bien belles choses depuis tout à l'heure. On va voir son agression. Donc on pose là le mécanisme de défense. On voit les suicidés français. Qui recevront une médaille probablement pour leur dévouement. Mais ça sera peut-être pas la médaille du champion Coupe des Nations. Ça, on peut pas encore dire, mon cher Moussa. On peut pas le dire. Oh. Comment tu le sens? Je pense que Mista a dû remonter les bretelles à un peu tout le monde sur ce quatrième point. C'est vraiment le quatrième point qui nous fait défaut quand on pousse. Sinon, autrement, les trois premiers points, ça allait, hein. C'était pas mal. Ouais, la défense, c'est bien fait fumer aussi. Hein. On perd nos moyens au quatrième. Et oui, c'est vrai que là, on a perdu très vite le premier point, le dernier round. Mmh, ouais, tout à fait, on s'est vite fait claquer. On avait la pression en même temps. Ah ouais, mais à noter que la position de Xabi avait de nouveau changé. En fait, il avait fait l'inverse. Ouais, bah c'est normal. Il avait pris la position anglaise. Pour porter un peu la confusion. Ouais, à croire que la position bunker se passe mieux d'habitude. T qui agresse, on va voir ce que va nous faire T. Oh, T d'accord, qui retourne chez sa mère. Ouais. Le démo qui est passé derrière nous là, attention.
Quelques petites grenades qui feront pas trop de mal. Quoique, Zabi qui vient de De Pops, claquer, d'accord. ouais, Ah ouais, le tu spam crois qui que est tellement c'est le efficace dans un spam bunker, grenade? je sais pas. Je sais pas si c'est le spam grenade, on Xabi Bizarre. qui a 150 HP pourtant. Bon, il vient de Ah prendre un ouais. pack probablement. Et le chariot qui a déjà bien avancé hein, dans les contrebas. Ah oui, ça pousse, hein. Ils n'hésitent pas à pousser les Anglais, c'est ce qu'il faut. Les positions qui pour le moment sont encore maintenues par la défense française. On découpe T, c'est Suzy qui s'en est chargé. Le Burk a été claqué. Côté anglais, très bon enchaînement avec l'agression de leur soldier hein, qui a permis de faire énormément de dégâts. On a à peine le temps de souffler ou pas du tout le temps de souffler du soldier qui vient de nous écraser sur la gueule. Et on est déjà agressé par l'entièreté de l'équipe anglaise. Équipe anglaise qui commence à faire reculer les Français. Thielerma quand même qui fait le double kill. Blablabla, Goretzon qui subissent les foudres de la machina. Cependant, ça ne suffira pas aux Français pour défendre ce point. Point 1 qui va tomber Ouais, très le très point rapidement. 1, c'est fini. Et en plus, avantage au beurre qui se crée petit à petit, mais très Et très ça léger ce point. pousse, hein, ils refont la même, tu vois. Démo qui campe le spawn, le soldier qui est déjà parti au troisième point pour deny Mista. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est chaud là. Effectivement, effectivement, déjà beaucoup de Ils positionnement sont très déjà au solide. troisième point, les Anglais. Le heavy, le medic, le démo, le sniper. Nico qui se suicide pour choper On T vient de et les perdre Français qui se notre font démo. agresser. Les Français qui sont énormément agressés, hein. Thielerma, Nico et Mio qui se sont fait choper. Un kill encore sur Izzy de la part de Goretzon. Flippy qui fait le kill sur Demoman, mais ça ne suffira pas hein, à contester. Pour le moment, une position qui a déjà été prise du côté du point 2, évidemment, mais qui continue à avancer du côté du point 3. Et des Uber à égalité, hein. Pas d'avantage ni pour l'un ni pour l'autre. Position très très avancée déjà, avec en plus Nico qui se fait découper par Breakfast. Breakfast, le décal, ça ne passera pas. Hein. Goresson qui se fait choper, les Uber qui se font claquer sensiblement à équivalence de timing. On recule pour Xabi, c'est bien fait. Les positions françaises qui peuvent continuer à tenir avec 3 morts quand même du côté français. Et T qui vient agresser sur le côté, qui se fait choper par Degain et beaucoup On de a morts. perdu Suzy, ça va être très chaud. Il y a pas danger pour maintenir là. Sentry qui va se faire ça par Granja Bob. Flippy qui se fait buff, qui trouvera personne. Ouais, tout à fait, et même le Spy est en passe de gagner son duel contre Mioc. Non, ça ne passera pas. Cependant, Nico le qui essaie temps de trouver le est médic. très très douloureux en la défaveur des Français. Hein. 2-34 sur 3 points. Là, il va falloir tout donner dans ce positionnement. Bien joué, là, cette défense contre l'agression puissante hein, du Demoman Blimey. Petit à petit, on prend la position côté français. On va devoir monter une sentry correctement. Pour l'instant, elle est niveau 1. Et en plus, Et Izzy et Mista Mistaxx qui sont se chopés. fait headshot, ouais. C'est dur, hein. C'est vraiment très dur, les Français là qui vont devoir trouver des armes, qui vont vraiment devoir trouver des armes pour tenir, avec le chariot est en train de descendre complètement en bas de la pente et que Mio, qui est aidé par Nico, arrête l'ingénieur extrêmement agressif, c'est vrai, du côté des rangs anglais. Soldier à l'arrière qui vient Ah, titiller bien les forces joué, françaises. il a fait tomber le Dread avec 95% de Uber, il me semble. Excellent, excellent de la part de Izzy Ouais, là, hein, peut-être. ça va nous aider parce que sinon c'était vraiment compromis. Il a fait ce qu'il fallait faire. Oh, Tu vois, et les T qui a Anglais fait ont mal, hein. tendance à pousser même s'ils n'ont pas l'Uber. Hein. Il Dread, il était très très avancé avec 95% de Uber. Il s'est dit on s'en fout, on pousse. Ils sont super agressifs. Ouais, et du et, coup, il va et falloir heureusement ce qu'il a genre snap, sinon de. c'était plié à mon avis. Ce genre de. Hein. Ouais, Une ce Uber genre là c'était d'exploit fini. individuel, il va en falloir pour faire tenir ce point un maximum de temps et capitaliser du temps. Capitaliser, pour le moment, on est à peine à 4 minutes à mon humble avis et on est encore avec un chariot quasiment à la moitié de ce point 4, même après la moitié de ce point 4. Les Uber qui sont en train de se remonter, là c'est une position de semi-status quo hein, pour le moment. Avec en plus les agressions qui passent pas et Bobbler et Tick sont tombés. Donc pour le moment ça va, ça se passe pas trop mal et on sera en Uber contre Uber sur le prochain mouvement, à moins que les Anglaises décident à continuer à agresser individuellement. Non, je pense pas, les Uber sont à égalité, on a une level 3. Attention à Mista, hein. Il y a le sniper qui mate. C'est pas si mal cette sentry, hein, avec Mista qui permet de couvrir Flippy. C'est vrai, hein. La diagonale du sniper qui est vraiment pas facile pour Snow. On l'a vu se faire prendre la partie à la fois par le Wrangler et par le reste de l'équipe, y compris Sniper et Heavy. Elle est bien cette sentry, elle va pouvoir spammer un peu tout ce qui se passe. La position est Ça solide côté va français. beaucoup les embêter. Attention par contre au soldier qui spamme depuis la map room. Il se fait Il choper, hein. Le se fait choper Demoman qui par des jump gars. également. Tu vois, ça continue hein, dans les agressions individuelles. Les Anglais qui veulent créer l'avantage over en faisant quelque chose, enfin un avantage quelconque avant de pusher. Le chariot qui est parti complètement derrière, hein, c'est parfait. Effectivement, et les Français là qui ont pris une bonne position 4, hein, s'ils continuent à nous faire ça, s'ils nous la font à l'anglaise, si je puis dire, ça serait very very good, sir. Soldier qui vient agresser à nouveau.
Of course, Azil qui se fait choper, cependant Tick qui est arrêté hein, dans sa agression par Suzy ouais, et Xabi. Qui se laisse pas impressionner, hein, parfait, il a gardé l'Uber. Ça c'est très bien, on a l'Uber, on est level 3, Mista qui fait du super boulot, qui spam comme il faut. Et l'Uber qui a été claqué des deux côtés, l'Uber qui a été claqué des deux côtés beaucoup plus tard côté français avec un Suzy qui décale largement et va pouvoir balayer le terrain avant de replier. Un beau bump hein, de la part de Suzy. Breakfast et Green Jabob qui se sont fait choper. Très sage les français, c'est excellent d'avoir été sage dans cette position. On a juste fait un ou deux kills, on se remet dans une c'est position, ça, on c'est on parfait. Est voilà, Xabi qui prend du spam. Attention à Mista qui se fasse pas headshot parce que c'est super ce qu'il fait là. Ouais, mais ils ont dû reculer de la position là. Ils ont dû reculer de la position Demoman, Evi et Mehdi. Qu'est-ce qu'on va réussir à revenir? L'ingénieur, mini-sentry déjà placé. Non, Bubble Bubbler qui perd ça pour une première fois cette mini-sentry. Mais qui tient pour le moment la sentry de Bubble Bubbler qui fait mal. Son agression là sur les hauteurs qui a vraiment désorganisé l'équipe française. On n'arrive pas à reprendre la position sur la pente actuellement. Et les Anglais qui font du dégât. Les Anglais qui font du dégât. On est à 87%, 90% pour Xabi qui fait le tour. On fait le tour pour Xabi et ses camarades et on claque sur les hauteurs. On claque sur les hauteurs et il va falloir retomber tout de suite. On n'a pas le choix. Et le beurre qui a pas été claqué côté Ildress, cette affaire qui est très très mauvaise c'est pour fait. Les Français. Très très mauvaise pour les Français. Suzy qui se fait découper. Et l'âge de chariot qui aura avancé une vitesse hallucinante dans des rangs anglais qui n'auront plus été inquiétés hein, pendant les 30 dernières secondes. 6-34, c'est possible. C'est possible, mais c'est chaud. C'est possible, c'est pas fameux, mais c'est possible. Ouais. Je pense qu'on a réussi à tenir ce point suffisamment longtemps grâce à Mista. Et puis ils l'ont compris, hein, les Anglais ils sont partis directement attaquer la sentry. Une fois que c'était fait, ben, on attaque les Bleus. Ils n'ont pas plus beurre et voilà. Le temps que le combo Chabi, Suzy et Fred, il me semble, fassent le tour par les escaliers, c'était déjà un peu trop tard. Ouais, le tour par les escaliers, ça leur a pris tellement ouais, de temps. Ils auraient ouais. carrément pu, en fait, rester dans les escaliers et repousser par le bas des escaliers. Ils n'avaient pas l'Uber, ça leur permet de construire l'Uber safe et, ouais, et de retomber directement sur le chariot. Construire l'Uber safe, c'est être dans les escaliers. Après, ils pouvaient reclaquer par dessous, par en bas. Ouais, ils avaient aucune ouais, raison de faire le tour parce qu'ils ont claqué. Non, mais en claquant, en faisant le tour, ils sont jamais ouais. arrivés à faire claquer l'Uber adverse qui était en bas. Mais ça permet de surprendre peut-être l'adversaire aussi, d'avoir l'avantage ouais. de la hauteur, de jumper complètement, d'avoir une vue sur tout ce qui se passe. Quoi. Tu balayes tout le champ de bataille, bon, tu vois ce qui se passe. Tu en termes de timing, c'était pas vraiment possible en fait. Malheureusement, le chariot a poussé tellement vite que ça n'a pas été possible. Je vois l'idée, mais ça n'a pas vraiment été possible dans les faits. Bah, on a pas si mal gardé hein, le quatrième point, on a permis d'avoir un peu de temps. Ouais, tout à fait. Je décrivais le moment où la défense était devenue... c'est affaibli, mais effectivement, t'as raison. En plus, c'est le départ, c'était effectivement la perte de la sentry. On est sur des gains, hein, on est sur des gains. On va voir ce qu'il va pouvoir faire là. Actuellement, notre ami des gains qui spam pour le moment et passe sur les contrebas. Ah, il se fait sniper direct, ok. on ne fera pas plus, mais Isil qui fait du taf sur Breakfast et le démo également qui est tombé. Hein. Démo et la sentry également. Ça défile du côté français, ça défile complètement. On est en train de se jumper dans tous les sens. Les Anglais sur leur hauteur qui ont fait énormément de dégâts, privés de leur démo, privés de leur médic qui viennent de faire tomber 3 joueurs des rangs français. En plus, Green Jabob qui vient faire le cut sur Suzy. On enchaîne T et Green Jabob sur Mihawk. Oh là là, des exploits individuels consécutifs qui ont permis de s'en sortir dans une situation très très mauvaise pour les Anglais et les Français, malheureux qu'ils sont, qui viennent encore de rater une super opportunité. Ouais, ils ont perdu une grosse occasion là, du coup ils reprennent position les Anglais. Ouais, bien en avancée hein. Avec T en plus il fait le kill sur Suzy. Il a pas hésité à reprendre le téléporteur. Un drop là. Est-ce que j'ai entendu un drop? Lord Ildress, Lord Ildress. Tout bon à fait. Par contre, oui. malheureusement, notre ami T vient encore de nous faire un exploit. Il est fort ce garçon. Hein. Ouais, T là, il vient encore de faire 3 kills et de faire perdre un précieux temps à l'équipe française qui effectivement a maintenant le beurre. Ils se dégonflent pas les rouges, hein. Pourtant ils restent sur place. Ce qui est dommage, c'est que les Français leur sautent pas sur la gueule directement. Non, je sais pas ce qu'ils sont tous compactés au niveau du spawn. Ça y est, c'est parti. Oh, T-Mac qui meurt avant le claque de l'Uber, dommage. Dommage qu'on n'ait pas pu sauver T-Mac dans cette affaire. On chope seulement Snow, c'est vraiment pas suffisant. Breakfast qui fait le kill sur Starry. Et Tick se fait aligner en headshot par Flippy, on l'a vu dans les airs. Alors là, on a fait pas mal de kills, ça va permettre de faire de la place. En plus, Flippy à nouveau, hein, qui continue à faire ouais. du gain. Oh, et des gains qui déchirent. Hein. Des gains, c'est super ce qu'il fait. Qui ruine Goretson, hein, littéralement. On fera pas plus des gains, mais on a bien pris la position. On a pris le point 2. Le sniper qui s'est fait surprendre. Le heavy qui va arriver en retard, du coup. Ouais, c'est bien, ça pousse là. Je voudrais que ça pousse un peu au niveau du troisième point avant qu'on ait une sentry. Ouais, il y a une level 2 au niveau de la fenêtre. D'une façon ou d'une autre, il faut faire peur à ces Anglais. Hein. Il faut leur mettre une pression d'enfer pour les forcer à la faute. On n'a pas le choix là, hein. 4 minutes donc. Ouais.
Un bel exploit sur le point 3 hein, qui ferait tomber des Français, des Anglais mal placés permettrait également de prendre le point 4 rapidement. Si jamais 100% on... des deux côtés, Uber. Izil qui va tenter quelque chose. Ah, il va aller taquiner l'ingé, je pense. Hein. Il a plus son dispenser qui bloquait. Ah, tu vois, Bubble est en train de construire un dispenser pour éviter à Izil de monter. Izil qui est déjà monté. Hein. Là, il faut une bonne coordination. Non, ça sert à rien de sap maintenant. Non. C'est l'échec. Ah, c'est l'échec pour cette action d'Izil. Mais ça sert à rien. Il n'y a personne pour spammer la sentry. Il n'y a rien. Ouais, il voulait tuer l'ingé ensuite. Il voulait enchaîner le stable plus sap, mais c'est pas prudent. Et là, la sentry qui tombe pas. Hein. La sentry qui tombe pas. Le beurre qui est claqué plus tard par les Anglais. Une très très mauvaise affaire côté français hein, qui aura pas bénéficié ni d'un move particulier qui aurait permis de pousser en avantage, ni même d'une réalisation particulièrement réussie. Hein. Nico qui prend super cher. Là, il est en train de reculer à l'arrière. Pour le moment, on est dans un status quo qui bénéficie aux Anglais. On perd trop de temps sur ce point. 3 et on n'a rien créé qui nous permette d'espérer de le prendre dans la prochaine minute. J'en veux énormément à Izil, il faut de la coordination, ça sert à rien de partir dans les exploits individuels. On avait une Uber contre Uber, franchement il suffisait de pop l'Uber, les gars en face, les Anglais auraient pop l'Uber, donc focus Uber contre Uber, donc t'es tranquille sur ton ingé à le harass. Ouais, la sentry aurait pu sauter effectivement. Ah ouais, on aurait au moins fait tomber la sentry. Là du coup il est toujours en place et comme tu dis, statu quo quoi, 90% chez les Uber Anglais. Extrêmement agressive. Extrêmement agressive. Oh là là, Thierry Hermac, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, Thierry Hermac qui tire dans tous les sens là. Qu'est-ce qu'il nous fait le Thierry Hermac? Ah bah, il fait tomber la sentry dans cette affaire. Bien joué de la part de Thierry Hermac. Qui est à l'arrière maintenant? Des adversaires. Ah ouais, bah, c'est Izil qui a sap et. Ça pas suffi. Ça n'a pas suffi, les Français qui continuent à tomber. Il reste 4 joueurs du côté français, énormément de joueurs dans les rangs anglais. Maintenant, il va falloir défiler du point 3 au point 4, c'est-à-dire agresser avant le beurre. Il n'y a plus de raison d'attendre les Uber. Là, il va falloir inventer des choses côté française et les inventer en dehors du timing de beurre. Ou alors vraiment faire une Uber radicale là. Mais pour le moment, il faut du game changing là. Il faut faire tomber un médic, il faut faire tomber un démo, il faut faire avancer ce chariot. Il nous reste 1 minute 50. Il faut tout faire. Ah là, ça me paraît un peu compromis. Là, en tout cas, je déplore qu'on attende le beurre, honnêtement. Allez, Soldier qui vient agresser, Ildress qui tombe pas. Mista qui se fait choper des gains également, hein, donc dans son agression, cette fois-ci, c'était bien tenté, mais c'est pas passé. Et le beurre qui va être claqué en désavantage de joueur. Très, très tôt, l'Uber en plus, hein. Ouais. Vachement tôt. Repoussé par un pyro, il reste une 26, c'est chaud. Thiel Armac dans difficulté là actuellement, qui se fait bump à l'arrière. Et on ne trouve pas l'ouverture côté français. Les secondes s'égrènent, ça sent vraiment très très mauvais. Il reste 1 minute 16 actuellement avec un Mio quasiment mort. Suzy, Izil, Xabix font découper là sur la maison de la mort. Et on recule petit à petit certes, mais il ne reste plus que 2 joueurs du côté français. 1 minute restante, la situation est non, pour non, le moins bon, il faut morte. Carrément du x6 sur le chariot. En plus, Bubble a eu le temps de monter sa sentry. Il a pu la dépasser ouais. Au niveau de la fenêtre. C'est cuit. C'est cuit mon ami là. Une Badwater sur laquelle les Français vont s'incliner, ils vont pouvoir s'en vouloir hein, mon cher Moussa. Ah ouais, belle première impression et débandade complète par la suite. Bah c'est à dire que complète, pas encore tout, enfin oui, c'est à dire sur le deuxième round oui, mais sur le troisième par exemple, sur le troisième c'était pas honteux leur défense, c'était pas honteux leur début d'attaque, ça a raté, c'était moins bon que le premier round c'est sûr, mais c'était pas complètement aberrant ce round de 3 quoi. C'est pas complètement aberrant, mais c'était effectivement nettement moins convaincant hein, que les Anglais, un petit peu diesel là, mais qui nous ont masterisé la fin du round. Ils ont montré qui c'était les patrons. Mista qui pousse désespérément le chariot, il reste 10 secondes, ça sert à rien. Là. Ouais. C'est vraiment c'est histoire de montrer, en fait, il est en train de parler sur Mumble, il dit au gars, bon, c'est comme ça qu'on devait faire, vous voyez? On devait faire ça. Vous comprenez maintenant? Quand je dis le chariot, c'est ça. C'est le chariot, c'est le truc rond là qui avance sur les rails. Ouais. Un rond. Pas de style de jeu très défensif, hein, très prudent en fait. Comme tu dis, on attend de construire et puis on pousse en bloc alors qu'il faudrait peut-être prendre des risques, même si on n'a pas forcément l'Uber. Maintenir la pression en fait, c'est ça qu'il faut. Parce que si tu recules pour construire, avoir toute ton équipe de prête, ça leur laisse le temps de prendre position, de se préparer correctement. Ça marche pas contre l'Angleterre quoi.
Dur, bien dur, cette situation pour les Français qui donc maintenant vont devoir gagner les deux prochaines cartes. Et les deux prochaines cartes, ce n'est pas seulement Viaduc, qui encore n'a pas l'air spécialement d'un épouvantail pour la line-up française, mais c'est également la fameuse intermodale perdue contre les Polonais. On verra bien ce que ça va donner et on le verra dans 1 minute 30. On va faire 1 minute 30 de pause et on se retrouve tout de suite. À tout de Ça suite. marche, à tout de suite. On profite pour liker les réseaux sociaux. Vous le savez ça, vous le savez ça. Et de retour à l'antenne, de retour à l'antenne. Donc pour la suite de ce match, c'est France-Angleterre, huitième de finale, match éliminatoire en BO3 entre la France et l'Angleterre. Moussa, es-tu toujours là? Je suis toujours là, mec. Ouh! Et est-ce qu'on y croit encore? Moi, j'y crois encore, même si Viaduc, c'est pas forcément une map à l'avantage des Français. Hein. C'est plutôt Badwater qu'on maîtrise un peu mieux. Mais il y a eu de l'entraînement sur Viaduc, alors pourquoi pas? Très bien, et on va se lancer directement dans le vif du sujet, apparemment. Non, il y a des suicides. Il y a des suicides, c'est qu'on ne se lance pas dans le vif du sujet. Ouais, d'accord, il y a Ildress du côté des Français. Ça Trahison. switch de team. Ouais, et donc, je rappelle rapidement, hein, bien sûr, Viaduct est en format King of the Hill et en BO5, hein, donc en Europe, et donc pour cette Coupe des Nations 9 vs 9. Ça veut dire qu'on va devoir caper consécutivement ou en plusieurs fois, 3 fois 3 minutes, ce point central qui centralisera toutes les espérances des deux équipes, n'est-ce pas, lors de cette carte qui, si elle voit les Anglais s'y imposer, les feront accéder en quart de finale, tandis que les Français ressortiront par la petite porte. Et concernant les Français, si on gagne cette carte, on part directement sur Intermodal où il faudra effectuer un deuxième exploit, hein, puisque cette Badwater, malheureusement, n'aura pas été remportée par des forces françaises qui s'en étaient bien sorties pendant 15 minutes. Ouais, on sait pas ce qui s'est passé entre le premier round et les deux derniers. Ça a allumé son écran d'un côté et éteint l'écran de l'autre. C'est ce qu'on Ouais. va faire. Non, plus sérieusement, hein, les Anglais qu'on attendait vraiment, vraiment en favori. Et des Français qui avaient contre la Pologne eu des difficultés et qui donc étaient même à un niveau qu'on n'attendait pas dans ce premier round, hein, de Badwater. On s'attendait pas à voir les Anglais se faire sécher à ce point-là. Je pense que ce qu'on attendait comme niveau, hein, pour les observateurs en général de Team Fortress 2, c'est plutôt des rounds, disons, du style du point 3, du troisième round,
avec une défense qui tient un peu, mais pas, mais quand même pas bien suffisamment du côté français, et des Anglais qui sont plus forts. Mais un match qui est en train de se jouer quand même, quoi. Par contre, le hype de l'Angleterre sur le deuxième, la deuxième attaque défense était également inattendu. Et donc les Français qui avaient pris un bon départ, mais qui se sont essoufflés sur la durée, hein, sur Badwater. Ouais, on leur a mis une grosse claque, ça les a réveillés méchamment en fait. Hein. Je pense qu'il fallait y aller un peu plus doucement. C'est ça. Il fallait leur insérer doucement et insister en profondeur ensuite, voilà, sur le deuxième round. Fallait lubrifier d'abord. Là, on est parti avec les gravats, les verres pilés. Ça, c'est pas passé crème, ouais, quoi. Ouais, ils ont trouvé qu'on en faisait un peu trop. Ils se sont dit, ah là là, c'est français. Ils sont arrogants, so cocky. Frenchies, so cocky. Et ils nous ont sanctionnés. Et on va bientôt partir normalement pour cette viaducte. Hein, les joueurs savent qu'il est déjà tard. Et donc on entend les raidis qui commencent à s'activer. Zabi certainement avec la Chris. Je l'ai vu jouer un peu, essayer le quick fix. C'est parti là, non? C'est parti, Xabi est effectivement parti, avec la Kritz. Donc on est parti pour cette viaducte. Hein. Il est nécessaire pour les Français de gagner pour rester dans la compétition. Elle est décisive cette carte. C'est parti pour un T-Mac et un Demoman homologue en face qui se rencontre sur le central. Dégain, le premier kill sur Greninja Bob. T-Mac déjà relativement weak, qui récupère de la vie. Donc Kritz chez les Français contre Uber chez les Anglais, hein, pognon. Tout à fait, avec beaucoup de kills quand même du côté anglais là, qui viennent d'aligner deux joueurs français, c'est pas si terrifiant que ça, la mitrailleuse qui tombe également pour Mista. Les joueurs anglais extrêmement puissants sur le point, hein, qui se mettent déjà une énorme pression avec un Suzy pris à partie, on a reculé, T-Max parti qui prend la claque. Et la tête de Snow sur T-Mac qui arrête complètement les espoirs français aux portes de ce point capé finalement par des Anglais qui sont encore en nombre avec un Ildress à 75%. Et Snow qui a continué à aligner, un Snow qui fait du dégât. Je pense qu'on va peut-être les voir monter, prendre des positions. On n'a même pas le Medic qui reste derrière. Ouais, ils ont l'avantage à l'Uber, l'Uber est prête, ils ont pas spécialement envie de se faire claque pour le moment, je suppose. Je pense qu'ils veulent voir un peu ce que ça donne ce premier round, mais si. Et puis on les verra après monter plutôt au niveau du cliff, avec des positions très avancées certainement, ils sont très offensifs. Des gars en agression qui forcent Ildress, bien joué. Des gars qui menacent Ildress jusque dans la maison des bleus. Et ça passe ce claque, Xabi qui est à 80%, qui doit être safe dans son spawn probablement. On l'espère du moins. S'il est en train de caper tout seul sur le middle, je râle. Il est à gauche. Il est à gauche avec T-Mac. Il a sa crit de prête. Ils attendent les calls, je pense. J'essaie de voir où se trouve Izil. Izil qui est pas là. Hein, donc ça va être peut-être une crit à l'aveugle. Et rien du tout en fait. Xabi qui va être rien de du tout. Ouais, Xabi qui se fait choper par Party. Et pour le coup, là, de toute façon, on peut pas sauver son Uber, hein, sur une critique. Et du coup, si on se fait fumer, on se fait fumer. Et choix discutable de Kritz après avoir tenté individuellement de lancer du monde pour faire claquer le beurre en face. Dans l'absolu, on aurait pu passer en normal avec ce genre de stratégie. Ah, il joue pas tellement Uber en fait, Xabi, il s'est pas trop entraîné sur l'Uber, je sais pas, je pense qu'il va continuer à jouer Kritz. Ah, il est toujours sur une Kritz à 45% à droite. On n'arrive pas à percer là, on est vraiment derrière le point. Même un de nos plus gros atouts, hein. La personne Soli de Flippy s'est fait aligner par Snow. Le Xabi encore une fois, c'est une map très étriquée, donc il se fait plaisir, hein, T en face. Agression de dégâts sur Ildress, Ildress qui drop. Et qui fait drop Ildress, ouais. Ildress qui drop, putain, c'est un festival. Tu fais tomber mon Medic, bah je fais drop le tien, très bien joué de la part de dégâts. Festival de mort de Medic et festival de drop, hein, depuis le début de cette soirée, donc dédiée à Captain Alien qu'on embrasse. Ah, c'est vrai que c'est pas sa soirée à Ildret quand même, hein. Ils font des bonnes choses, mais Ildret, je l'ai vu tomber maintes fois. Ouais, vraiment, ouais, il a pris cher. Il doit détester des gains ce soir. Allez, on agresse les Français qui veulent tout de suite prendre la position alors que le beurre n'est pas encore prêt. Hein, donc ils mettent en avant leur force. Attention, et éventuellement la vie de leur médic. Attention. Oh, c'est difficile, ouais. Là, Xabi qui peut pas reculer, qui se fait choper, et toute l'Angleterre qui ruine les Français, qui, c'était logique qu'ils poussent, hein, avec le timing, puisque je vous rappelle qu'il reste que 20 secondes, les Anglais qui sont en passe de faire un round perfect là actuellement, il reste 3 minutes à leur chrono, tandis qu'il reste 15 secondes du côté français. C'est Bubble qui vient de faire tomber Xabi, hein. Ah oui, Bubble, là, il met sa sentry et puis il pousse, hein, c'est très très agressif, oh là là. Surtout sur Viaduct. Ça fait mal, hein. Ça fait extrêmement mal. Et le perfect. Pas une seconde, quoi.
Même pas une seconde de cap, hein, les Français qui prennent leur fessée sur ce premier round. Je rappelle que les rounds s'enchaînent à la vitesse de l'éclair du côté des viaducts. Du coup, c'est reparti. Ils habillent en quick fix, hein. En quick fix, du coup, avec une position très rapidement hein, prise sur le central, forcément, puisque le quick fix permet de jumper en même temps que ouais. Ses joueurs. T-Mac qui fait tomber la sentry, ça ne suffira pas à créer un avantage. Easy à l'arrière, Easy à l'arrière, il se fera repérer par le pyro. Easy en difficulté, donc, tandis que Mista est sur le côté. Joe sur Zabi, il est très très agressif, il n'y a personne qui vient l'aider, ça y est. Voilà, Zabi qui s'est tombé. Il était déjà faible, un spam il a ouais. ramassé quelques sticky par démo, Joe. Il s'est fait finir parti. Snow qui continue son festival. Nico qui l'arrête, ça y est. Sur le côté. Il dresse. Est-il mort? Oui, il est mort, hein, le il dresse. Soit il est mort, soit il a claqué. Mais je pense bien qu'il est mort. Le il dresse. Je sais pas à quel moment. L'avantage donc à la France en ce qui concerne le beurre. Mais on a vu hein, sur le round précédent que ça ne suffisait pas forcément à créer des opportunités particulièrement marquantes. La position de défense très basse du côté des Anglais. On a chopé Medic à nouveau. La mort d'Ildress sur le sol. Ah non, c'est son ancienne mort. D'accord, il y a son Saragdol qui reste là. Très bien. Donc il était bien mort, le Ildress. Et on est sur le point, c'est en cap. Allez, on vient de caper le point pour la première fois. Ouais, oh, Suzy qui tient bon contre les sticks de Blimey. C'est bien ça, c'est bien, on a pris le point. On a plus l'avantage au beurre par contre. Hein, Xabi qui est mort à un moment quelconque. Ou qui a claqué. Je dirais qu'il est mort. Les Anglais sont passés sur une crit, ça ils sont prêts à droite. Ça va pas tarder. Ouais, tout à fait. Crit, on prend le point. C'est compliqué. On prend le point actuellement. T qui agresse de nouveau en avancée là-bas. Et qui finit par tomber. Bima qui avance petit à petit et Calibur. Tu vois, ils prennent des positions, les Anglais, ils savent qu'ils ont complètement dominé le premier round. Donc là, ils se permettent un peu des folies. Ils ont jugé un peu le niveau. Ils ont la crit en plus. Viaduc. Du coup, ils avancent en voyant s'ils peuvent en faire quelque chose. Parce que rester à l'arrière en attendant que son médic meure, ça n'a pas tellement de sens. Ouais. Xabi qui est à 0%, qui respawn. Actuellement, on a capé que 30 secondes du côté français. 1 minute 15 déjà chez les Anglais. La carte qui pourrait être expédiée du côté anglais si ça continue à jouer à ce niveau de jeu des deux côtés. Le beurre toujours prête. Grinjabob qui chope Xabi, le spy. Flippy qui brille pas beaucoup là, hein. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il perd ses duels? Est-ce qu'il se fait trop. Bah, c'est-à-dire que si jamais toute son équipe se fait fumer, il peut pas tellement se placer simplement. C'est sûr. Il a pas de placement là. Tu vois, il vient de se faire jumper parti. Ouais. Ah non, on laisse aucune possibilité de respirer à l'équipe française qui tombe constamment. Ils se font découper avec des Anglais placés parfaitement là sur les hauteurs. On ne peut absolument rien faire. Allez, la crit qui a été claquée, c'est parti. Les Anglais qui vont jusque dans le spawn pour balancer la crit. C'est parti, double kill sur Xabi, sur Nico. On enchaîne avec T-Mac, Mista, Mihawk, Suzy, Izil qui tombe. C'est une boucherie littéralement dans les rangs français. Si les Anglais pouvaient rentrer dans le spawn, ils le feraient quoi. Ils hésiteraient même pas à rentrer dedans. Bah, je pense que s'ils pouvaient passer derrière l'écran et aller directement donner la fessée cul nu à chacun des joueurs français à leur maison. Ouais. Il le ferait aussi. Il n'y a plus de respect du tout. Ah, ça joue bien, hein. Tu vois, ils ont des bonnes positions en haut. Le soldier qui condamne à gauche. Des gains qui jump T, qui se fait tuer en airshot par Snow, c'est n'importe quoi. Chacun des joueurs anglais fait une performance pour faire du dégât. Voilà, et ça continue. Oh là 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 là, mais quelle tristesse. Oh, Snow triple kill. Flippy qui a même pas le temps de voir le jour sur le côté là droit. C'est n'importe quoi ce qui met ce bâtard de sniper Rosebeef. Tricheur, tu n'es pas beau. Tant pis, hein. Il reste 10 secondes sniper, sur ce point. Il se régale. Bubble Bubbler aussi. Il se fait plaisir là. C'est une map qui correspond parfaitement à son style de jeu. Il met sa petite mini sentry et puis il pousse. Il essaie de faire du damage avec son shotgun. Que reste-t-il aux Français? Que leur reste-t-il, mon pauvre Moussa? Il leur reste leurs yeux pour pleurer. Il leur reste 3 rounds à remonter et une troisième carte à gagner. Donc peut-être le dernier round, peut-être l'élimination des Français. Les Français qui vont devoir trouver les forces là actuellement, au moins de remonter un round, de se relancer là. La machine qui est enrayée depuis maintenant une heure et qui ne passe plus face au rang anglais. Et c'est parti, Snow qui tue tout de suite Suzy, Mihawk qui suit le même sort, Blimey également, tandis que le jump du Demoman, TLR Mac ne suffira pas. Exact, il dresse également.
Les médics sont tombés certes, mais en termes de compte joueur, là pour le moment on est bien du côté anglais et on prend à nouveau pour la troisième fois de ce viaduct le central rapidement. Sans cependant avoir gardé le médic. Xabi en normal apparemment si j'en crois la montée d'Ober. Regarde un peu ce que fait T qui vient de choper Nico. T hein, qui fait des exploits parfois mais T-Mac qui le fume. T-Mac encore, T-Mac triple kill là actuellement. Et la crit pour Xabi, excusez-moi, ce sera la crit. Une crit qui se build lentement avec un Xabi relativement weak. Allez, la tête de Flippy sur Bubble Bobbler. Peut-être une reprise du côté des Français qui vont caper ce point. On a perdu que 33 secondes pour le moment et le beurre est bientôt prêt. On va voir ce que va faire Tiller Mac. Oui, Tiller Mac, il est là. Effectivement, ce sera une crit. Hein. Crits contre Quick Fix, 75% chez Hildred. Il y a un Mac qui va claquer, c'est parti. La crit qui touchera pas. Xabi qui tombe à nouveau. Malheureusement, ça touchera pas pour cette critique. Et Glenjabob qui vient d'enchaîner le démo et Suzy. Voilà, et tous les rangs anglais qui se mettent à 6 sur chaque joueur français là, actuellement. Mista en solitaire qui perd la vie et son distributeur. Et on recule petit à petit dans les forces françaises, simplement parce qu'il n'y a plus de joueurs vivants. Ce sont des morceaux de français qui ont reculé. Et on est bloqué à la porte à nouveau. Les anglais qui vont essayer de maintenir la pression. On est bloqué à gauche, on n'a plus le choix. Il faudra pousser à partir du main. C'est le démo qui condamne avec des sticky traps à gauche. Il est tombé je crois. Ouais, il s'est pris un body shot. Ouais, Flippy qui a trouvé le body shot effectivement. Il reste 1 minute 54 sur le point. En termes de temps, c'est encore tout à fait jouable cette affaire. Il dresse qui a le beurre en la personne du quick fix. Hein. Enfin dans le type du quick fix. Xabi qui va bientôt être prêt. En quoi cette fois-ci il est prêt. Kritz, il vient de pop, il vient de trouver le heavy. Breakfast effectivement. Tiens, on a trouvé un premier kill quand même avec cette crit enfin, j'aurais tendance à dire, parce que les crits qui n'ont pas payé jusqu'ici. Bubbler qui agresse sur le côté. Et Grinjabob qui met du sien pour choper Xabi. Hildress qui a toujours pas claqué en face. Ça y est, on a claqué. Le quick fix sur le pyro. Le pyro qui repousse un peu tout son monde là actuellement. Et qui survit un max de temps. Ceci dit les Français qui tiendront face à l'agression anglaise. Un petit peu freestyle là, hein, claqué sur le pyro alors qu'on est 4. On sent la détente côté anglais. Qui gagne un peu de temps dans cette affaire et on a une minute d'avance chez les Anglais mais le point est bien français. Le point est bien français et Surun qui est un peu plus serré, ça y est avec les deux premiers hein, Moussa. On peut se prendre à espérer quelque chose. Si il est plus serré. Si tu vas espérer Moussa, ça suffit maintenant. Ah, oiseau de mauvais goût. Qui trompe pas Eldred, quick fix à 65%. Flippy qui a ligné sur. On a perdu Xabi encore hein, contre Grinjabob. Ça l'a fait. Et donc on va surveiller un peu le dress, voir ce qu'il va éventuellement prendre sur la tronche. Donc Flippy a aligné Bubble Bobbler. Ça y est, la machine au sniper qui s'engage un petit peu du côté de Flippy. Et malheureusement les Anglais hein, qui ont décimé une bonne partie des rangs français qui ne bénéficieront non pas d'un avantage. Suzy qui chope le dress. C'est un Heavy qui vient agresser le médic. Bien joué de la part de Suzy. Sur le côté qui ne tiendra pas face à Nico et on repousse tout de suite du côté des rangs français. Forcément on est en 9 contre 6, on a fait tomber le médic, on agresse, c'est parti. Snow qui a chopé Mista, ce n'est pas suffisant comme kill. Et les Français qui font énormément de dégâts, c'est bien joué avec Easy en plus qui conclut sur Breakfast, c'est parfaitement fait. Les Français qui reprennent la cape à 1:40 de la fin du temps, on a le point, on a l'avantage à le beurre, on commence à prendre les positions, des positions qui pourraient être plus offensives. On est très très caché du côté des Français. Ouais, c'est ce que je reproche aux Français. On est tous en monobloc derrière le rocher, c'est pas bon ça. On se ramasse du spam, il va se faire jumper. Xabi qui est prêt avec sa crit. Bon kill quand même déjà sur Blimé. Mio qui tombe sur le côté. Mais Snow qui se fait choper par Easy, bien joué de la part du snipe. Attention, Grinjabob qui passe derrière Xabi. Attention. Et le drop. Le drop de Xabi sur un Grinjabob. Ça fait 5 secondes qu'on annonce. Malheureusement, on n'a pas pu le voir hein, sur mon écran. Ouais. Je n'avais pas la vue. Désolé. Et donc les Anglais qui vont pouvoir essayer de remettre de la pression. Ou on la drop ou on la perd genre 2 secondes après l'avoir pop. Ouais, et puis des crits qui payent absolument pas en plus. Elle paye pas. Hein. Qui paye pas, on fait 1 kill, 2 kills au maximum. Bon, en général 0.
Allez, le point qui a été pris, ça me rappelle le fantôme d'Intermodal, moi, ce genre de crit qui sert à rien pendant 30 minutes. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me souviens très bien. On revit les mêmes déboires là. Ceci là, faut se concentrer parce que tout le monde va agresser. Flippy qui fait tomber Ildress. Flippy qui fait tomber Ildress, qui le fait dropper à nouveau. Un gros body shot qui fait dropper Ildress à la dernière seconde. Hein. Allez, les Français qui vont pouvoir agresser là. Sur, Joe. Les Français qui agressent et qui sont plus nombreux là, actuellement, qui sont plus nombreux. Il est toujours vivant, le Xabi, il y a du monde hein, du côté des Anglais pour agresser. Et on doit se mettre sur le point, hein. Ça y est, on y est sur le point. Mais il y a un maximum de joueurs qui viennent attaquer. Xabi qui doit se mettre sur le point, ça ne passera pas. La France est éliminée, l'Angleterre assure la victoire avec un round un poil plus serré sur le troisième. Mais on peut dire une domination en général sur l'ensemble de la soirée. Ouais, petit excès d'optimisme, une petite pointe d'espoir sur Badwater et puis ça n'a pas suivi derrière. Aïe aïe aïe. Pourtant ce body de Flippy m'a pris à rêver. Je me suis dit, si le genou d'Ildress peut sauter à ce point là, peut-être que le reste des forces anglaises le peuvent aussi. Et non, c'est l'hymne national anglais qu'on entend pour ce soir et qui, une équipe anglaise qu'on voit arriver jusqu'en finale et peut-être même remporter ses Nation Cup, ce ne seront pas les Français qui arrêteront la machine anglaise. Nous, ça, c'est la fin de notre aventure en 9vs9. Je suis déception également. Je sais pas quoi dire. Hein. C'était très très décousu du côté des Français. Hein. C'est pas, on est trop. Oui. Trop timide, trop défensif. Ça pousse. Ça, on hésite à pousser quand on n'a pas du beurre. Alors qu'en face, ils hésitent pas. Quoi. Ils prennent des positions, ils perdent du monde, ils poussent encore, ils maintiennent la pression. Alors que c'est pas le cas chez les Français. On a la crit, on la perd quand on la pop ou on la drop, c'est pas. Ouais, ton cœur d'analyste est mécontent, hein, apparemment. Je suis déçu, quoi. Surtout après ce qu'on a vu au premier round, on s'est dit waouh, je m'y attendais pas, quoi. Je me suis dit, ah, bah, ça va être possible. C'est vrai que nous avons envoyé tellement de rêves au départ. Hein. Ah, carrément, je me suis dit, ah, ça va arriver, ça va se faire. Il va peut-être, voilà, l'exploit. Et puis non, effectivement. Bon, j'espère quand même, hein, que du côté des viewers, vous avez passé une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à suivre ce 8ème de finale, en plus annoncé à la dernière minute. C'est très chouette de vous voir aussi nombreux. Et malheureusement, hein, nous serons nombreux dans la défaite à pleurer sur les épaules les uns des autres. C'est la vie, il nous reste le 6v6 pour y croire, hein, le 6v6 qui continuera puisque la France s'est qualifiée en première position de sa poule, donc contre la Belgique assez largement, puis contre deux équipes complètement random encore plus largement. Donc la Nation Cup 6v6 qui continuera avec nos Français, avec Flippy, avec Kielermak, avec Deguin, avec Easy, avec donc tout ce petit monde, Bull, Flippy, etc. Que sais-je, j'ai déjà cité Flippy donc ça fait deux fois, mais effectivement il jouera sur deux ordis différents. Donc, on se retrouvera donc pour la suite des aventures en 6v6 pour plus de matchs commentés, puisque demain, je vous signale que demain, je stream l'arena de TF2 Connection dans les jeux d'été TF2 Connection, Master Connection, et bien il y aura l'arène sur ce même stream demain soir. Donc on se retrouve demain. Moussa, je te fais un très gros bisou et on se retrouve bientôt pour plus de matchs commentés ou quoi ? Probablement, si c'est du Highlander, pourquoi pas, mec, hein. Mais je vais pas faire de l'ombre à Luzu, hein. Non, mais tu ne feras pas d'ombre à Luzu, puisque lui-même est en train de profiter du soleil de Montréal. Ah, d'accord, bon, bah, qu'il en profite bien, alors. Ok, bah, écoute, au plaisir, mec, hein. C'était un plaisir de caster tout ça avec toi, et moi aussi. Certainement à la prochaine. Et moi aussi, Moussa, merci encore, un très gros bisou. A plus, bisous. Bye partout. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde. Ciao ciao. Et je vous quitte également. Je vous rappelle encore une fois, Pouf, Louzou et Pognon, Facebook, Twitter pour être informé des streams. Hein. Il y a également du StarCraft, du BioShock. Il y aura bientôt à la rentrée des grosses nouveautés. Ça y est, ça va arriver. J'ai travaillé cet été, j'y travaille cet été. Ça va sortir en septembre. Donc on essaye de suivre. Et en bas, donc vous pouvez suivre ce stream afin de faire grandir le nombre de viewers et de permettre notamment l'arrivée du 480p et du 360p. Bref, des définitions différentes qui permettront de voir ce stream dans toutes les qualités, et même pour les gros bouseux qui ont des connexions internet pourries. Bref, n'hésitez pas à liker dans tous les sens, je vous remercie d'avance. Merci encore et plein de bisous. Oui, salut à Quadruple P, à Kappa, Tintoudeep, Wonder P, Darkness, Mouton, très bon pseudo, sans viewer, LOL7, tout à fait. Putain de soirée, on a perdu, nous dit Sean, qui décidément n'aime pas vivre une soirée dans la défaite. Encore une fois, à demain 21h pour l'arène de TF2 Connection. 21h peut-être pas, peut-être 20h. Bref, je vous redonnerai l'information. Bonne soirée les loulous. Bisous.